disparu, vous les avez quand même connus. Bah bien sûr, je les ai connus, parce que je les ai transportés dans mon car. Plusieurs de ces filles donc, que vous avez ramenées ont disparu par la suite ou pendant. Comment ça se fait que les gens ne se sont pas inquiétés sur elles? Ah ben ça. Vous en parliez pas entre vous, entre ben chauffeurs? Non, entre chauffeurs, on n'en parlait pas de ça, parce que les chauffeurs, tout le monde avait sa ligne. Jamais. Personne ne s'inquiétait? Personne. Et pourquoi? Et pour quelle raison? Vous les connaissiez bien, il y en a plein qui vous aimaient beaucoup. Ben bien sûr, mais personne n'en parlait. J'ai jamais entendu personne en parler, jamais. Et pourtant, les filles disparaissaient et... Personne n'en parlait. Et pour quelle raison? Ah ben, j'en sais rien. Ben, vous me posez des questions. Mais ça vous faisait pas bizarre de voir des filles, enfin de plus voir ces filles-là? Ben, on me dit, elles ont fugué. Tout commence le 26 septembre 1979 à Saint-Georges-sur-Bolche, une petite commune de Lyon, proche d'Auxerre. On est dans le foyer de l'enfance de Montmercy, un établissement qui accueille des enfants et des adolescents en danger ou en difficulté confiés par la DAS. Ce jour-là, c'est un mercredi, et comme tous les mercredis, la directrice de l'établissement se rend chez le dentiste avec certains de ses pensionnaires afin de les y faire soigner, tandis que les autres employés de l'établissement surveillent le reste des enfants. En début d'après-midi, Martine Renaud, une adolescente de 16 ans, atteinte de déficience mentale, quitte sa chambre et sort du foyer après avoir expliqué à l'un des éducateurs qu'elle rejoignait la directrice chez le dentiste afin de se faire soigner également. Donc lui la voit sortir de l'établissement. À partir de là, elle disparaît. Le soir même, la directrice remarque son absence. Donc elle fait le tour des employés, elle leur demande si quelqu'un a vu quoi que ce soit. Et l'un des éducateurs lui dit « Bah écoutez, moi en début d'après-midi, elle est partie, elle m'a dit qu'elle vous rejoignait chez le dentiste. » Là, la directrice lui dit « Non, moi elle ne m'a pas rejoint chez le dentiste. » Du coup, tout de suite, elle comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle prévient immédiatement la gendarmerie et elle leur certifie qu'il ne peut pas s'agir d'une fugue compte tenu des difficultés intellectuelles de la jeune fille qui l'empêcherait de pouvoir organiser une fugue. L'enquête est confiée à l'adjudant Christian Jambert, un homme expérimenté de 40 ans qui fait partie de la section de recherche d'Auxerre. Et lui, il commence par interroger tous les éducateurs du foyer, ainsi que les enfants et les adolescents qui y résident, mais également les professeurs de Martine, de son école spécialisée, l'IME, l'Institut Médico-Éducatif. Ce qu'il en ressort, c'est que cet après-midi-là, des enfants qui jouent à proximité du foyer ont aperçu le chauffeur de car de l'établissement dans son véhicule personnel, garé et en train d'attendre vraisemblablement quelqu'un. L'un des professeurs de Martine confie également à l'adjudant Jambert que l'adolescente lui a un jour dit qu'elle allait enfin pouvoir rencontrer sa mère biologique grâce au chauffeur de car. Il s'agit d'Émile Louis, un père de famille de 45 ans, chauffeur attitré du car qui transporte les jeunes filles du foyer de Montmercy à leur école spécialisée. Le gendarme se rend donc au domicile d'Émile Louis, mais il tombe sur sa concubine, Gilberte Léménorel, qui est famille d'accueil pour la DAS. Il lui explique rapidement la situation et il lui pose des questions. Il lui demande entre autres, est-ce que le soir du 26 septembre, votre conjoint est rentré à la maison avec une jeune fille, donc la jeune Martine Renaud. Elle lui dit non, mais voilà ce qu'elle lui confie. Elle lui dit, voilà, moi, le soir du 26 septembre, Émile est rentré à la maison, mais il avait l'air complètement paniqué, il était très anxieux. Et quand je lui ai demandé ce qu'il se passait, il m'a dit, y a une adolescente handicapée mentale qui a disparu à proximité de son foyer à Montmercy. Et le truc, c'est que moi, je me trouvais près du foyer dans l'après-midi, puisque j'étais partie là-bas afin de retrouver mon chien qui avait disparu, qui s'était échappé là-bas. Il lui a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me fournir un alibi si on t'interroge, puisque je suis sûr et certain qu'on va essayer de me mettre ça sur le dos. Elle ajoute au gendarme qu'en le voyant comme ça pleurer, paniquer, elle a accepté de lui fournir un alibi, mais que maintenant que le gendarme se trouvait devant elle et lui posait la question, elle préférait être honnête. Elle lui dit, moi je ne l'ai pas vu de l'après-midi, il n'est rentré que le soir, voilà, je préfère vous dire la vérité. Du coup, l'adjudant Jambert creuse cette piste et interroge l'entourage d'Émile Louis. Donc, il voit un peu à qui il a affaire. Et là, on lui parle d'Émile Louis comme d'un bonhomme qui est toujours prêt à rendre service à la veuve et l'orphelin, comme on dit, qui n'a qu'une parole, mais également un homme qui a eu maille à partir avec la police à de nombreuses reprises pour des affaires de mœurs pour lesquelles il n'a jamais été condamné par la justice. Son ex-femme, par exemple, Simone Delagneau, avec laquelle il a été marié pendant de nombreuses années, ensemble ils ont même eu 4 enfants, c'est une personne qui avait l'agrément
de la DAS pour accueillir des pupilles de la DAS, soit des enfants sans parents, soit des jeunes filles avec des difficultés intellectuelles. Mais à l'époque où elle vivait avec Émile Louis, plusieurs jeunes filles qui étaient gardées par le couple lui ont confié que son mari avait l'habitude de les abuser sexuellement et de les tripoter quand elle se trouvait seule avec lui dans son car ou à la maison en l'absence de son épouse Simone. À l'époque, ces faits avaient été rapportés à la DAS, des plaintes avaient même été déposées, puis soudainement retirées et classées sans suite. Émile Louis n'avait jamais été condamné pour ces faits ou même suspendu de ses fonctions de chauffeur de car. Émile Louis est interrogé par l'adjudant Jambert par rapport à tous ces faisceaux d'indices. Et lui, il répond qu'il comprend pas. Il comprend pas du tout pourquoi on le soupçonne. Non, c'est une personne qui n'a rien à se reprocher. Effectivement, l'après-midi du 26 septembre, il se trouvait près du foyer. Mais c'était pour y rechercher son chien qui avait disparu. En dehors de ça, non, il nie toute implication. Et malgré tous ces éléments troublants et l'incapacité intellectuelle pour Martine Renaud d'avoir pu organiser une fuite, le parquet classe sa disparition sans suite le 4 décembre au motif qu'il s'agirait d'une fugue. Il faut attendre 1981 et l'erreur de datation d'un médecin légiste dans une toute autre affaire pour que la disparition de Martine Renaud soit relancée et que plusieurs autres affaires de disparition classées sans suite dans Lyon soient déterrées. Le 5 juillet 1981, un agriculteur se promène sur un pré isolé au lieu dit Lame. Il arrive à proximité d'un cabanon à bestiaux qui sert également d'abri en cas de pluie. Et tout de suite, il est alerté par une odeur pestilentielle. Et lui, il reconnaît cette odeur, ça sent la décomposition. Lui, au départ, il pense qu'il s'agit d'un animal mort qui a été caché ou qui est mort, en tout cas à l'intérieur du cabanon. Il rentre à l'intérieur et il remarque que l'odeur provient d'un tas de fumier. Il avertit son frère et un employé afin qu'ils viennent l'aider à se débarrasser du cadavre en décomposition. Donc là, les trois hommes commencent à creuser. Et effectivement, sous 30 cm de fumier, ils sortent une grosse masse compacte en putréfaction. Ils essaient de l'extraire et c'est là qu'ils remarquent tout de suite un crâne humain avec des cheveux et à proximité des vêtements de femme déchirés. Ils contactent aussitôt la gendarmerie qui se rend sur place, sécurise la scène et finit l'extraction du corps. Il s'agit effectivement d'une femme, elle a les mains attachées dans le dos avec un bout de tissu, une culotte enfoncée dans la bouche et un bout de collant qui lui entrave le crâne et qui a priori aurait servi de bâillon. Le corps est autopsié, mais vu l'état de décomposition avancé, il est très difficile d'en faire ressortir quelque chose. Le médecin légiste estime qu'elle devait avoir la trentaine, qu'elle est morte par strangulation ou par suffocation. Et en ce qui concerne la datation du décès, il estime la mort entre 1 et 3 ans. Et c'est cette erreur de datation qui va permettre de déterrer toutes les autres disparitions. L'adjudant Jambert est placé sur cette affaire puisqu'il fait partie de la section de recherche. Et tout d'abord, lui, il souhaite identifier la victime. Donc il va vérifier les registres des femmes disparues entre 1977 et 1979 afin de faire des comparatifs. Et là, il tombe sur le dossier de la petite Martine Renaud sur laquelle il avait enquêté quelques années auparavant. Bon, même si le médecin a dit que la jeune femme devait avoir la trentaine et que Martine avait 16 ans, il va quand même demander à faire une comparaison d'empreintes dentaires, mais ça ne colle pas. Dans les différents avis de recherche, il tombe également sur deux jeunes sœurs disparues en 1978 et atteintes elles aussi de handicap mental, Françoise et Bernadette Lemoine. Mais là encore, les empreintes dentaires ne correspondent pas. Et ce qu'il est utile de préciser, c'est qu'à l'époque, les registres n'étaient pas informatisés, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce qui fait que les enquêtes prenaient beaucoup plus de temps à aboutir quand il était question de lancer des recherches dans des fichiers de ville à ville. C'est pourquoi il faut attendre 6 mois, soit le 18 décembre, pour que le corps soit enfin identifié. Donc voilà en gros ce qui se passe. Jacques Moreau, un assesseur au tribunal d'Auxerre, contacte l'adjudant Jambert, qu'il connaît dans la vie quotidienne, et lui explique que sa belle-mère, donc la mère de sa fiancée, s'inquiète fortement puisqu'elle n'a plus de nouvelles depuis presque un an d'une ancienne pupille de la DAS qui avait été placée chez elle au début des années 70, Sylviane Durand-Lesage. Sylviane, c'est une jeune femme de 23 ans, ancienne pupille de la DAS, qui avait été placée chez Madame Le Ménorel au début des années 70 et avec qui elle avait noué des liens assez étroits. Dès sa majorité, à 18 ans, elle épouse un certain Alain Lesage afin de fonder un foyer, de se créer une structure familiale qu'elle n'a pas eue jusque-là. Tous les deux s'installent à Auxerre dans un petit appartement. Ils ont un fils ensemble, mais très rapidement,
cette vie ne lui convient pas, Sylviane. Alain, c'est un homme qui est assez violent, autant physiquement que psychologiquement. Et puis, c'est un homme qui n'est pas très présent. Il fait des allers-retours en prison pour diverses arnaques, ce qui fait que Sylviane se retrouve très souvent seule avec son fils et complètement esseulée. Faut pas oublier que Sylviane, c'est une jeune femme qui a été abandonnée par sa mère quand elle était enfant. C'est une ancienne pupille de la DAS, ce qui signifie qu'elle a grandi sans amour maternel, sans encadrement d'une maman ou d'un papa, donc elle a besoin d'amour, elle recherche désespérément l'amour et l'attention des autres, que ce soit de la part de ses amis ou de la part des hommes. C'est une jeune femme qui, face à la situation où elle se trouve, à savoir un mari qui est régulièrement envoyé en prison, qui la tape quand il sort de prison, va multiplier les relations sentimentales auprès des hommes afin d'y trouver un peu d'attention, un peu d'affection. C'est également une jeune femme que l'on décrit comme très vulnérable, très naïve, qui accorde assez facilement sa confiance au premier venu. L'adjudant Jambert interroge l'entourage de la jeune femme et il parvient à dater sa disparition au 20 février, puisque c'est le jour où elle confie son fils à la voisine et qu'un chauffeur de taxi vient la récupérer en bas de chez elle et dit l'avoir déposée à la gare d'Auxerre pour qu'elle se rende à Paris. Après ça, plus personne ne l'a jamais revue. Certaines personnes interrogées par l'adjudant Jambert lui certifient que la jeune femme avait une liaison avec le fils de sa mère nourricière, Gilberte Leménorel, et que c'était avec lui qu'elle devait se rendre à Paris. Et d'autres témoins affirment quant à eux que la jeune femme avait une liaison avec le conjoint de sa mère nourricière, un certain Émile Louis. Le 28 décembre 1981, Émile Louis est interpellé au domicile de sa compagne afin d'être entendu. Tout de suite, il n'y est impliqué dans la mort de Sylviane Durand-Lesage. D'ailleurs, il nie même avoir été son amant et dit « Ah non, moi, je n'ai jamais été l'amant de cette jeune femme. Je la connaissais effectivement, puisque fut un temps, elle vivait chez ma compagne. Mais en dehors de ça, elle et moi, on n'a jamais entretenu de relation amoureuse. » Pour l'adjudant Jambert, cette piste est assez intéressante puisque plusieurs témoins affirment avoir aperçu aux alentours du 20 février Émile Louis à proximité de la cabane où a été retrouvé le corps de Sylviane Durand-Lesage. Parmi ces témoins se trouvent les deux fils de sa compagne Gilberte Leménorel. Sa compagne Gilberte, quant à elle, une fois qu'on a interpellé son conjoint, puisqu'on le soupçonne clairement d'avoir assassiné son ancienne pupille, décide de fouiller un peu dans ses affaires. Donc là, elle met la main sur l'imperméable de son conjoint qui est taché de boue et de traces ressemblant à du sang séché. Elle trouve également un vêtement de femme déchiré, des boutons et une arme d'alarme. Une arme d'alarme, c'est un pistolet qui tire du gaz lacrymogène, mais qu'on peut facilement prendre pour une vraie arme. Gilbert remet ses éléments à la gendarmerie, et là, l'adjudant Jambert montre l'imperméable taché de boue et peut-être de sang séché, le vêtement de femme déchiré. Il montre tout ça à Émile Louis et lui dit « Vous êtes sûr vraiment que vous n'avez rien à nous avouer ?» Émile continue de nier le meurtre de Sylviane Durand-Lesage. Mais d'un coup, il s'effondre et il avoue avoir des troubles du comportement sexuel qui l'ont poussé à attoucher les enfants qui étaient placés chez sa compagne par la DAS. Il ajoute qu'à l'époque, il a confié avoir des troubles sexuels à Pierre Charrier, le secrétaire général de l'APAGE dans Lyon, qui est également le directeur de l'Institut médico-éducatif d'Auxerre, donc l'école spécialisée où Émile Louis conduisait les jeunes filles. Pierre Charrier et son épouse Nicole, qui travaille en tant qu'éducatrice dans l'un des foyers de son époux, lui avait alors conseillé de consulter un psychiatre et aucune suite n'avait été donnée. Donc là, pour recontextualiser rapidement, histoire que ce soit bien clair, Émile Louis est interpellé et interrogé pour une affaire de meurtre, celui de Sylviane Durand-Lesage. Il nie tout en bloc et au bout de plusieurs heures d'interrogatoire, il s'effondre et il avoue avoir attouché sexuellement des enfants par le passé, qui étaient placés par la DAS chez lui et sa conjointe. Dans la foulée, il confie que Pierre Charrier, donc une figure assez importante du milieu associatif handicapé de Lyon, était au courant et que Pierre Charrier et son épouse lui avaient conseillé de consulter un psychiatre. Fin. Dans la mesure où, en plein interrogatoire sur le meurtre de Sylviane Durand-Lesage, il avoue avoir commis des attouchements sur mineurs, une nouvelle procédure doit être ouverte. Les enfants et les jeunes filles dont il est question dans les aveux d'Émile Louis sont entendus par la gendarmerie, donc ils confirment avoir été agressés par le chauffeur de car, que ce soit dans leur lit, ou quand il leur faisait prendre leur bain, ou dans son car. Mais là, il n'est pas vraiment question d'attouchement sexuel. Hein. Les enfants et les jeunes filles parlent plutôt de viol avec pénétration. Néanmoins, le parquet décide de le poursuivre pour attentat à la pudeur sur mineur. Il échappe de ce fait à la cour d'assises. Il est incarcéré en attendant la tenue de son procès pour les faits d'attouchement.
L'enquête sur le meurtre de Sylviane est toujours en cours, puisqu'Émile Louis n'est pas passé aux aveux et qu'on n'a pas de vraies preuves contre lui. Mais l'adjudant Jambert a également quelqu'un d'autre dans son viseur, en plus d'Émile Louis. Le fils de la compagne d'Émile Louis, Gilberte Leménorel, dont plusieurs témoins ont parlé en affirmant qu'il s'agissait de l'amant de Sylviane et qu'en plus de ça, c'était lui qui devait la rejoindre à la gare pour qu'ils montent ensemble à Paris. Le fils de Gilberte Leménorel est marié. À ce moment-là, il est marié, il a une vie, on va dire, posée. Donc pour l'adjudant Jambert, ça peut être une piste intéressante. Toutefois, le jeune homme nie catégoriquement être impliqué dans ce meurtre. Et là encore, on n'a pas de preuves. Et tandis qu'il continue d'enquêter, l'adjudant Jambert constate que dans la région, plusieurs jeunes filles pupilles de la DAS et déficientes mentales ont également disparu dans l'indifférence générale quelques années plus tôt. Elles avaient toutes comme point commun Émile Louis. Le 4 avril 1977, Jacqueline Weiss, une orpheline de 18 ans, placée chez Émile Louis et son ex-épouse Simone, s'apprête à déménager définitivement. Les Louis sont sa famille d'accueil depuis quelques mois, mais quelques semaines plus tôt, Émile lui a annoncé qu'il lui avait trouvé un travail de femme de ménage à Avallon et qu'elle pourrait ainsi débuter sa vie de jeune femme autonome. Jacqueline est vraiment excitée par ce départ. Même si elle est très attachée à Simone et aux quatre enfants du couple, elle a hâte de démarrer cette nouvelle vie. Ce jour-là, elle monte à bord de la voiture d'Émile Louis, qui lui a proposé de la déposer à la gare, et elle s'évapore. À l'époque, sa disparition n'a pas été signalée tout de suite, puisque pour Simone, Jacqueline vivait sa vie à Avallon, sa vie de jeune femme, active. Toutefois, elle reporte sa disparition quelques mois plus tard à la gendarmerie, puisqu'en contactant le fameux hôtel où était censée travailler Jacqueline, le gérant lui a expliqué qu'aucune jeune femme du nom de Jacqueline Weiss ne s'était installée chez lui et ne travaillait dans son établissement. Lors de l'enquête, Émile Louis avait été interrogé par les gendarmes, lui avait certifié qu'il avait déposé la jeune femme à la gare et que lorsqu'il était reparti, elle attendait sur le quai. L'affaire avait été classée sans suite en 1977, puisque Jacqueline Weiss était majeure. Le 21 avril 1977, Chantal Gras, 18 ans, quitte son école spécialisée, l'Institut médico-éducatif d'Auxerre, et monte dans le car qui doit la reconduire chez sa nourrice à Villefargeau. Comme à son habitude, elle s'assied à l'avant du car, à côté du chauffeur, Émile Louis, et elle lui raconte sa journée à l'école. Arrivée à son arrêt, elle rentre chez sa nourrice, pose ses affaires, ressort pour faire une balade. À partir de là, elle s'évapore. Dès le lendemain matin, sa nourrice avait prévenu la gendarmerie et la DAS de la disparition de Chantal, et l'enquête avait révélé que Chantal avait confié à son frère quelques mois plus tôt qu'elle comptait s'enfuir avec son petit copain beaucoup plus âgé qu'elle et chauffeur de car. Là encore, l'affaire avait été classée sans suite puisque Chantal Gras était majeure. Le 27 juillet 1977, Madeleine Dejuste, une jeune fille de 21 ans, sort du centre d'aide pour les travailleurs handicapés où elle vient de finir sa journée. Elle se dirige en direction de la gare routière où le chauffeur de car, Émile Louis, doit la récupérer, elle et d'autres travailleurs handicapés, afin de les reconduire chez leur nourrice. Plusieurs témoins aperçoivent Madeleine sortant de la gare en courant, sans son sac. À partir de là, elle s'évapore. Le soir même, sa nourrice part à sa recherche, fait le tour de la gare, aucune trace de Madeleine. Elle se rend ensuite chez Émile Louis, pas de trace d'Émile, il ne rentre pas de la nuit. L'enquête de gendarmerie révèle qu'Émile Louis n'a récupéré aucun des travailleurs handicapés à la gare d'Auxerre ce jour-là et qu'il n'a pas dormi chez lui la nuit du 27 au 28 juillet. L'affaire est classée sans suite puisque Madeleine Dejuste est majeure. En 1978, Bernadette Lemoine, une jeune mère de famille de 20 ans, ancienne pupille de la DAS, disparaît entre janvier et mars. On n'est pas sûr de la date de sa disparition puisqu'à l'époque, aucune enquête a été ouverte. Et puis, les témoignages recueillis a posteriori ne concordaient pas du tout, donc on ne peut pas vraiment préciser la date de sa disparition, on sait juste que c'est entre janvier et mars. Elle aurait quitté son mari en décembre 1977 et aurait vécu dans un hôtel avec sa sœur Françoise, qui était l'amante d'Émile Louis. Et Émile Louis était également le chauffeur du car qu'elle prenait quand elle se rendait à l'Institut médico-éducatif d'Auxerre. C'est également à cette même période que sa sœur Françoise, donc l'amante d'Émile Louis, disparaît. Elle avait 30 ans et elle était maman d'une petite fille
que ses parents à elle élevaient, compte tenu de ses difficultés personnelles et de son retard mental. Ce que l'on sait, c'est que quand elle a fréquenté Émile Louis, il lui a trouvé un travail dans un hôtel ainsi qu'une petite chambre d'hôtel dans ce même hôtel, où il la rejoignait fréquemment. Peu de temps après, Bernadette, la petite sœur de Françoise, la rejoint dans cette chambre d'hôtel pour vivre avec elle, et elle s'évapore donc entre janvier et mars. Ces deux disparitions n'ont jamais donné lieu à une enquête, puisque les services sociaux et la gendarmerie ont considéré que, dans la mesure où elles étaient majeures, elles pouvaient aller là où elles le souhaitaient. L'adjudant Jambert répertorie toute cette série de disparitions de jeunes femmes atteintes de handicap mental, qui semble se terminer avec celle de Martine Renaud en septembre 1979, et il fait paraître des avis de recherche dans les journaux sans succès. Il entreprend des fouilles tout autour d'Auxerre, il fait draguer des étangs, il fouille des cabanons abandonnés, des puits, et il fait même retourner des terrains, aucune trace des jeunes femmes. Bon, comme vous l'aurez compris, à ce moment-là, l'adjudant Jambert recherche des corps, et non pas des jeunes femmes en vie, puisque selon lui, et d'après tous les éléments qu'il a récoltés, il y a très peu de chances de les retrouver vivantes. Et le détail qui chagrine, c'est qu'à l'époque de la disparition de ces jeunes femmes, ni la DAS, ni la gendarmerie n'avaient prévenu les familles des disparus de leur disparition. En parallèle, Émile Louis, qui est incarcéré en attendant son procès pour attentat à la pudeur sur mineur, est interrogé par rapport à ces disparitions, puisque d'après l'adjudant Jambert, voilà, il y a un lien. Il sent qu'il y a quelque chose qui rattache toutes ces disparitions à ce personnage. Il va lui demander de lui expliquer les raisons de la disparition de Françoise Lemoine, par exemple, qui était sa maîtresse. Émile Louis explique que, oui, effectivement, Françoise Lemoine et lui ont eu une aventure, qu'elle était installée dans ce fameux hôtel où sa sœur Bernadette l'a rejointe. Et il dit que, il ne sait pas où elle est passée. Il dit, voilà, moi, un soir, je suis arrivée à l'hôtel et je me suis rendu compte qu'elle était partie. Elle avait tout laissé et elle était partie sans aucune explication. Et lorsqu'on lui pose des questions sur la disparition de Bernadette, idem, il dit je sais pas, elle est venue vivre quelque temps avec sa sœur à l'hôtel, mais enfin le soir où Françoise a disparu, Bernadette a disparu également, et je ne sais absolument pas où elle se trouve. L'adjudant Jambert consigne tous ses rapports, tout ça dans son dossier d'enquête, et tandis que le procès d'Émile Louis pour attentat à la pudeur sur mineur approche, le juge d'instruction reçoit une lettre de la part de Nicole Charrier, donc la femme de Pierre Charrier. Rappelez-vous, Pierre Charrier, le secrétaire général de l'APAGE et le directeur de l'IME, l'Institut médico-éducatif d'Auxerre, qui fait donc partie de sa défense. Lors du procès d'Émile Louis, il est prévu d'auditionner certains des enfants dont il a abusé, dont une certaine Annie. Une petite fille qui s'était plainte d'avoir été agressée sexuellement par Émile Louis à l'époque. Une plainte avait été déposée à la fin des années 70, puis avait été classée sans suite, sans explication. Dans sa lettre, Nicole Charrier apporte un soutien indéfectible à Émile Louis. Voici ce qu'elle dit. « Monsieur le juge, j'ai connu Monsieur Louis il y a 8 ans environ. Il effectuait le transport scolaire des enfants résidant au foyer de Montmercy, dirigé par Mademoiselle Micha, durant les vacances scolaires alors que l'établissement fonctionnait. Ouvert, coopérant, se décrivant comme ancien pupille de la DAS, ce qui lui permettait d'affirmer qu'il pouvait comprendre et soutenir les jeunes qu'il véhiculait. » Vécu comme un père, parfois un grand frère, à qui l'on peut tout dire. Il permettait les cigarettes en cachette à 14-15 ans, ou les flirts. Quand je rendais visite à son ex-femme à Villefargo, dans le cadre de mon travail, il était parfois présent et participait aux discussions concernant les jeunes. Employé à l'époque au Rapide de Bourgogne avec des horaires fluctuants, il se faisait un devoir d'assurer son transfert spécial, malgré ses horaires peu compatibles. Quand il quitta sa femme pour vivre avec Madame Leménorel, il m'en a informé officiellement, jouant le jeu de l'honnêteté, me précisant qu'il procéderait au partage légal de ses biens, car il n'avait rien, mais absolument rien à se reprocher. Il accompagna fréquemment Madame Leménorel lors de mes convocations pour faire le point sur Annie. Tous les deux tenaient à renvoyer une image positive de parents nourriciers prêts à tenter l'impossible pour qu'Annie progresse. Jamais ils ne l'ont présentée de façon négative, mettant en avant ses progrès, l'arrêt de ses balancements, sa politesse, sa serviabilité, sa gentillesse, son courage, le fait qu'elle ne les quittait jamais, sortait avec eux, s'occupant à des travaux manuels.
Quand Annie a eu son accident, ils tinrent à ce que la version exacte soit donnée et que les fautes n'incombent pas à l'adolescente sous prétexte qu'elle était pupille, qu'elle fréquentait un établissement spécialisé. Ils l'accompagnèrent au centre hospitalier d'Auxerre, ils nous ont prévenus. Au bout de quelques jours, Annie boitant de plus en plus, ils sollicitèrent le concours de leur médecin traitant qui demanda des radios complémentaires. Afin de démontrer le côté calomnieux de ses propos, rendez-vous fut pris chez le docteur de Chevannes en vue d'une expertise médicale. Annie fut consultée par le docteur N, gynécologue à Auxerre. Le souci par rapport à cette lettre, c'est que Émile Louis a avoué les attouchements sur les enfants. Il a avoué avoir agressé sexuellement de nombreux enfants confiés à son ex-épouse. Et la petite Annie, en l'occurrence, a été violée à de nombreuses reprises. Elle avait à l'époque accusé Émile Louis, donc elle avait ensuite été conduite chez un gynécologue, comme l'indique la lettre de Nicole Charrier. Et puis, finalement, l'affaire avait été classée sans suite. Donc là, en l'occurrence, Madame Charrier défend Émile Louis sur des actes et des faits que lui-même a avoués et pour lesquels il est donc jugé. En décembre 1983, il est condamné en correctionnel à 4 ans de prison ferme, donc pour les faits d'attentat à la pudeur sur mineur. Et grâce au jeu de remise de peine, il est libéré en février 1984 et déménage aussitôt dans le Var. L'adjudant Jambert, quant à lui, a continué à nourrir son rapport d'enquête. Il rédige une note de synthèse sur les 6 disparitions qu'il remet au parquet en juin 1984. De l'enquête effectuée, il en ressort que malgré les recherches actives, les femmes objets de l'enquête sont bien disparues. Elles étaient toutes anciennes pupilles de la DAS, elles n'ont absolument jamais été revues. Toutes ont tout abandonné en laissant leurs affaires, voire même leurs enfants, pour les sœurs Lemoine alors qu'elles s'en occupaient encore. Quant aux 4 autres, elles ont disparu pratiquement de Villefargo. Il est certain que pour les 6 connues officiellement, elles se trouvaient toutes dans l'environnement de Louis-Émile. Ces circonstances sont étranges, d'autant plus que la découverte du cadavre de Durand-Sylviane, disparue donc dans des conditions identiques aux autres, a amené une fois de plus les enquêteurs vers Louis-Émile. Le procureur Stignilovic remet cette note de synthèse ainsi que tout le dossier d'enquête sur les disparus au juge en charge de l'instruction sur le meurtre de Sylviane Durand-Lesage, Jacques Bourguignon. Le juge Bourguignon a rendu un non-lieu un mois avant sur le meurtre de Sylviane Durand-Lesage. Le dossier d'enquête sur les disparus est joint par erreur au dossier de Sylviane Durand-Lesage. Il est donc classé sans suite. Pour la faire plus simple, l'adjudant Jambert a fait son rapport d'enquête, il le remet au parquet. D'accord ? Le procureur Stignilovic. Le procureur remet le dossier d'enquête au juge afin de voir si on doit élargir l'enquête, faire de nouvelles investigations pour rechercher ces jeunes femmes. Le juge Bourguignon vient juste de rendre un non-lieu pour le meurtre de Sylviane Durand-Lesage. Donc Émile Louis n'est plus inquiété pour ce meurtre puisqu'il était suspecté. Le dossier d'enquête de l'adjudant Jambert sur les disparus se retrouve par erreur dans le dossier de non-lieu de Sylviane Durand-Lesage. C'est donc classé sans suite. Bon, c'est l'explication en tout cas qui a été donnée à l'époque. De son côté, l'adjudant Jambert retourne à ses occupations à la section de recherche. Donc lui, voilà, il a fait son travail, il a remis ce qu'il avait à remettre, un dossier vraiment complet. Il retourne vac à ses occupations. À partir de là, il n'entend plus parler de l'affaire des disparus. Au même moment et à quelques kilomètres seulement, une autre affaire concernant des viols et des actes de torture et de barbarie sur des anciennes pupilles de la DAS éclate. Elle est également instruite par le juge Jacques Bourguignon. Il s'agit de l'affaire des torturés d'Apoigny. Vous avez l'impression qu'il y a eu d'autres victimes avant vous et Huguette ? Oui, il me l'avait dit. Et vous l'avez dit ? Il m'avait dit, j'arrive pas à te vendre, t'es trop cher. Il me disait, tu finiras comme les autres, tu mangeras le pissenlit par la racine. Le procès pour moi, ça a été une horreur. C'était l'enfer qui recommençait. Parce que tout était là, devant nous. Sauf les clients. Sauf les clients. Et Dunant mentait sans arrêt. Et pour pas faire un scandale,
pour me tenir correctement devant les jurés, devant le procureur, même devant M. Bourguignon, qui à cette époque-là était juge, eh ben, je faisais des allées et venues. Je restais pas en place, j'arrivais pas. Quelle était l'attitude de Dunan ? Arrogant. Il nous toisait de la tête aux pieds, l'air de dire que quelque part, il a toujours ce petit esprit de vengeance. On est le 20 janvier 1984 à Auxerre. Huguette, une jeune fille de 18 ans, est admise en urgence à l'hôpital psychiatrique d'Auxerre avec des blessures très sérieuses sur l'ensemble du corps. Et compte tenu de son état général, l'hôpital décide de contacter la police afin qu'ils se rendent sur place pour vérifier s'il ne s'agirait pas d'une agression ou d'un viol, par exemple. Des agents de police se rendent sur place et auditionnent la jeune femme, mais au départ, ils ne la croient pas. Ils ne la croient pas puisque l'histoire qu'elle leur raconte est abominable. Voilà ce qu'elle leur dit. En octobre 1983, soit 3 mois avant son admission à l'hôpital, Huguette leur explique qu'elle a récupéré une annonce parue dans le journal pour une offre de travail d'aide-soignant à Apoigny, une petite ville de 3000 habitants située à 10 km d'Auxerre. Donc elle, dès le départ, elle est très intéressée puisque ça se situe pas très loin de son domicile, elle vit à Auxerre, puis être soignante, c'est un travail qu'elle pense dans ses cordes. Elle appelle le numéro de téléphone indiqué dans l'annonce, c'est un homme qui décroche, un certain Claude Dunan. Claude Dunan lui dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rencontrer autour d'un café, pas très loin de chez vous, c'est moi qui me déplace, et puis comme ça, on pourra parler ensemble du travail et des conditions. Huguette se rend donc dans le café afin de rencontrer Claude Dunan, et là, elle tombe sur un homme très propre sur lui, très distingué, qui parle bien, qui présente bien, il est rassurant, quoi. Donc là, il lui explique en quoi consiste le travail d'aide-soignant, il lui dit que sa grand-mère est extrêmement malade, et qu'en gros, il recherche une jeune femme pour s'occuper d'elle, pour lui donner à manger, pour la changer, pour lui faire sa toilette, et il ajoute qu'il faudrait qu'elle puisse vivre sur place pour être disponible à n'importe quel moment de la journée pour sa grand-mère, donc elle serait nourrie, logée, blanchie, en plus de ses gages. Pour recontextualiser, Huguette, c'est une pupille de la DAS qui a vécu au foyer de Montmercy durant les années 70 et qui vit désormais dans un foyer pour jeunes travailleurs à Auxerre. Dans la mesure où elle vient d'avoir 18 ans, elle va très prochainement être mise à la porte par le foyer. Et sa mère étant défaillante, elle n'a pas la possibilité d'aller vivre chez elle. Du coup, là, elle trouve un emploi en plus d'un logement. C'est une aubaine. Elle accepte l'offre d'emploi et monte en voiture avec son futur employeur afin qu'il l'amène à Apoigny pour qu'elle puisse visiter la maison. C'est à même pas 20 minutes en voiture. Claude Dunan présente extrêmement bien. Huguette n'a aucune raison de se méfier. Ils arrivent donc à Apoigny, devant une villa assez cossue. Donc là, il la fait rentrer à l'intérieur de la maison, il lui fait visiter les chambres, la cuisine, le salon, et il lui explique que sa chambre à elle sera située dans les sous-sols, mais que des travaux sont en cours. En gros, il lui dit, écoutez, vous, votre chambre avec votre salle de bain sera située dans les sous-sols, ça va être refait. On a un maçon qui va passer, qui va commencer des travaux avec l'aide d'un architecte, mais venez, je vais quand même vous faire visiter ce à quoi ça ressemble pour le moment, pour que vous puissiez avoir une idée. Lorsqu'ils descendent dans le sous-sol, un homme les attend. Là, Claude Dunan explique à Huguette que l'homme en question est Helmut, l'architecte, qui est venu pour prendre les mesures de la pièce afin de pouvoir lui faire un bel espace de vie. Ils avancent, il y a plusieurs pièces avec des portes, et tandis qu'Helmut parle avec Huguette et qui lui dit « Donc voilà, là on va vous installer les toilettes, là ce sera votre chambre, vous pourrez y mettre votre lit, là je vais vous installer une fenêtre », le piège se referme. En un claquement de doigts, Claude Dunan se jette sur la jeune femme avec une couette afin de l'immobiliser et les deux hommes l'attachent à un tuyau. Huguette se débat comme elle peut, elle crie, mais en fait elle découvre avec horreur que les murs sont capitonnés, donc elle a beau crier, personne ne peut l'entendre de l'extérieur, et que les sous-sols en fait disposent de plusieurs petites pièces de 9 mètres carrés environ. Le même jour, la jeune femme est violée par Claude Dunan, en plus d'être torturée. Elle est fouettée avec des câbles électriques et elle est percée avec des aiguilles sur l'ensemble de son corps. Elle est ensuite attachée à une croix de Saint-André, une cagoule sur la tête. Dès le lendemain, Claude Dunan et son épouse Monique font paraître une annonce dans un journal pour ceux qui souhaitent assouvir leur fantasme de viol et de sadisme sur une jeune femme contre de fortes sommes d'argent. Très rapidement, de nombreux clients répondent à l'annonce. Bon, des personnes qui ont manifestement les moyens compte tenu des tarifs. Pour vous donner quelques exemples, brûler la jeune femme avec des cigarettes coûtait 300 francs français, donc 95 euros. Torturer et violer la jeune femme toute une nuit, 5 000 francs, donc environ 1 600 euros.
Donc en plus des viols quotidiens, la jeune femme subit des actes de torture et de barbarie d'une extrême violence. On lui brûle les seins, les fesses, une croix gammée est gravée sur son torse, son vagin est troué avec des aiguilles à tricoter, on lui enfonce des objets plus ou moins volumineux dans le sexe, mais également dans l'anus. On la force à jouer avec des excréments, voire à en manger, et je vais m'arrêter là. Bon, la plupart des clients étaient au courant que la jeune femme était détenue contre sa volonté, donc elle subissait tout ça contre sa volonté, qu'elle était prisonnière. Puisque, bah pour vous citer un exemple, une fois, l'un de ses seins s'est infecté, à force d'avoir été brûlé et troué, et Claude Dunant a fait appel à un médecin de la ville qui s'est rendu au domicile des Dunant afin de soigner la jeune femme. Et il a même réprimandé Claude devant Huguette en lui disant « Écoutez, là, vous êtes allé beaucoup trop loin, faites attention puisque vous risquez de la tuer en continuant comme ça. » Et ce qu'il est important de souligner, c'est qu'Huguette avait quasiment toujours une cagoule sur la tête quand elle subissait tous ces actes de torture et de barbarie, ce qui signifie qu'elle n'a presque jamais vu ses tortionnaires. Fin décembre, alors qu'Huguette est emprisonnée depuis 2 mois, Claude Dunant fait paraître une nouvelle annonce pour une offre d'emploi d'aide à domicile, mais cette fois-ci à la NPE. Une jeune femme de 22 ans, Michaela, le contacte aussitôt. Michaela, c'est une ancienne pupille de la DAS qui a également fréquenté l'Institut médico-éducatif d'Auxerre dans les années 70. Et d'ailleurs, elle avait pour chauffeur de car à l'époque Émile Louis. Et elle contacte Claude Dunant en lui expliquant qu'elle est très motivée pour ce poste, qu'elle cherche absolument du travail, que c'est une jeune femme qui est très sérieuse. Michaela, c'est une jeune femme qui n'a personne sur qui compter. Du coup, ce travail est une chance inespérée pour elle de se lancer dans la vie. Claude Dunant lui fixe rendez-vous dès le lendemain à son domicile à elle. Il lui dit « Écoutez, moi je vais venir, comme ça on pourra parler ensemble du travail et des conditions. » Et il explique à Huguette qu'il lui a trouvé une camarade et qu'elle va venir avec lui afin de l'aider à la recruter. Il lui met un collier étrangleur autour du cou, qu'il camoufle avec une écharpe. Et l'embout, en fait, glisse à travers le manche de la jeune femme et lui tient l'embout du collier. En gros, un collier étrangleur, c'est un collier avec des espèces de petites lames. Ça peut être des lames de rasoir ou des vis à l'intérieur. Et si la personne tente de s'échapper en faisant un mouvement brusque, les lames s'enfoncent à l'intérieur de sa gorge. Du coup, il lui met ce collier et tous les deux montent en voiture direction Auxerre afin de rencontrer Michaela. Arrivé chez la jeune femme, donc Claude Dunant lui explique les termes du contrat. Il lui dit « Voilà, faudra dormir à notre domicile. Vous serez nourri, logé, blanchi en plus de vos gages. » Et Michaela est rassurée par la présence d'Huguette. Elle voit une jeune femme, elle n'a aucune raison de se méfier. Donc elle monte en voiture avec eux, direction à Poigny. Une fois sur place, le piège se referme. Elle est attachée à une échelle et les sévices commencent le jour même. Les deux jeunes femmes sont violées et vendues quotidiennement. Et détail très important, Monique, la femme de Claude Dunant, est dans la combine. C'est même elle qui pose pour les photographies qui paraissent ensuite dans les petites annonces. 3 semaines après l'enlèvement de Michaela, Claude Dunant commet une erreur, à savoir qu'il oublie d'attacher Huguette à la croix de Saint-André et il quitte le pavillon. Huguette se rend compte que c'est maintenant ou jamais. Elle essaie de trouver les clés pour pouvoir détacher Michaela, impossible de mettre la main dessus. Michaela lui dit « Écoute, là je suis beaucoup trop faible, j'arrive pas à me lever de toute façon, donc je vais te ralentir. Sauve-toi, va prévenir la police et s'il te plaît, viens me libérer. » Huguette monte à l'étage, elle se faufile à l'intérieur de l'une des chambres, elle récupère des vêtements, donc heureusement pour elle, personne n'est dans le pavillon à ce moment. Elle trouve sur le bureau de Claude Dunant des photographies de scènes sadomaso, elle en récupère quelques-unes et elle s'enfuit du pavillon. Elle va courir dans la poignée pendant un moment sans savoir où elle va, elle est complètement désorientée, elle est très amaigrie, très affaiblie, puisque Claude Dunant les nourrissait très mal pendant leur captivité. Et au bout d'un moment, elle va se retrouver devant chez sa mère à Auxerre. Donc imaginez la distance qu'elle a couru comme ça jusqu'à Auxerre. Quand sa mère lui ouvre la porte, Huguette lui raconte tout ce qui vient de se passer. Elle lui dit « Voilà, pendant 3 mois, si j'ai disparu, c'est par rapport à ça. Il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. » Et en fait, sa mère, elle ne la croit pas. Elle ne la croit pas parce que l'histoire, elle paraît totalement délirante. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle son médecin traitant qui se rend à son domicile, qui ausculte la jeune femme. Et lui, il pense qu'elle est en pleine bouffée délirante. Du coup, il l'a conduit à l'hôpital psychiatrique et c'est à l'hôpital psychiatrique, en voyant ses blessures, en voyant la profondeur de certaines de ses blessures et l'état de ses parties intimes, qu'il contacte la police qui se rend sur place. Et devant les policiers qui n'arrivent pas à croire cette histoire, tellement elle est horrible, hein,
Elle leur montre ses blessures qui corroborent totalement ses dires. Le parquet est immédiatement prévenu, donc ils sont au courant qu'une autre jeune femme, Michaela, est emprisonnée dans le pavillon des Dunans à Apoigny, mais ils refusent que ce soit la police auxerroise qui intervienne sur place. Ils demandent à ce que ce soit des enquêteurs de la SRPJ de Versailles qui soient chargés de cette enquête et ils sont envoyés sur place 3 jours après. Lorsqu'ils arrivent sur place, la première chose qu'ils remarquent, c'est qu'il y a un journaliste devant le pavillon, ce qui signifie que quelqu'un a fait fuiter l'information. Ils rentrent à l'intérieur du pavillon, Claude Dunant et sa femme s'y trouvent, donc on leur explique qu'une perquisition va être menée à leur domicile. Des policiers descendent dans la cave et ils tombent effectivement sur la jeune Michaela, attachée et à demi consciente. Elle est transportée en urgence à l'hôpital. Les salles de torture sont prises en photo, certains objets sont réquisitionnés et dans le bureau de Claude Dunant, on met la main sur plusieurs petits carnets, dont un contenant les noms des clients, le fameux carnet noir. Tout est mis sous scellé, Claude Dunant et son épouse sont interpellés et placés en garde à vue. Le 25 janvier, soit quelques jours après, une information judiciaire est ouverte pour viol, séquestration, acte de torture et de barbarie et proxénétisme. L'instruction de l'affaire revient à Jacques Bourguignon. Les deux jeunes femmes sont auditionnées par le juge et ce qu'elles ont expliqué ultérieurement, c'est qu'à aucun moment il ne leur a demandé si elles se souvenaient du nom ou des visages de leurs tortionnaires. Ce qui est assez étonnant puisque déjà d'une part, dans le carnet noir, il est mentionné à ce moment-là le nom des clients, mais il y a également un couple de voisins des Dunant qui explique avoir vu certaines figures politiques parisiennes et lyonnaises se rendre au domicile des Dunant très tard dans la nuit, dont un ancien ministre. Claude et son épouse sont interrogés et eux vont fournir les noms de quelques clients. Ils vont parler d'un certain Georges Etiévan, un avocat libanais et ami du couple qui a activement participé aux tortures et aux viols sur les deux jeunes femmes. Huguette le reconnaît. Georges Etiévan est interpellé, il va passer aux aveux, mais il va minimiser son implication. Il va dire « Oui, c'est vrai, j'ai participé à tout ça, mais à aucun moment je n'étais au courant que Huguette, par exemple, n'était pas consentante, qu'elle avait été enlevée. Moi, depuis le départ, on m'avait dit qu'elle était consentante et qu'elle se vendait librement. » Ils évoquent également un certain Joseph Kiok, un ami rencontré par le biais des petites annonces dans la presse spécialisée pour tout ce qui relève de l'érotisme, du sadomasochisme. Claude Dunant le désigne comme étant le fameux Helmut, l'architecte qui l'a aidé à séquestrer Huguette. On présente un Joseph Kiok à Huguette afin qu'elle puisse l'identifier. Et elle, en fait, ce qu'elle explique, c'est que du fait de la faible luminosité dans la cave, elle ne se rappelle pas formellement de l'homme, mais elle dit qu'il y a une ressemblance quand même assez frappante. Joseph Kiok, de son côté, nie toute implication. Il dit « Écoutez, moi, je connais Claude Dunant, on s'est rencontrés à différentes reprises par rapport aux petites annonces de sadomasochisme, mais mis à part ça, jamais je me suis rendu dans son pavillon, jamais je n'ai torturé et violé de jeunes femmes. » Il y a un autre client que Claude Dunant dénonce, un certain Paul Lefort, un ami là aussi des petites annonces de la presse spécialisée, et lui reconnaît les faits. Et l'autre point important de ce dossier, c'est que lors de leurs auditions, les deux victimes, donc Huguette et Michaela, ont confié au juge qu'elles n'étaient pas les seules à avoir subi ce qu'elles ont subi. Elles disent qu'à plusieurs reprises, Claude Dunant les a menacées qu'elles subiraient le même sort que les autres jeunes femmes si elles ne tenaient pas mieux le coup, si elles n'étaient pas plus performantes. Il leur a dit si tu continues à être fatiguée comme ça, si tu continues à te choper des infections, tu vas finir 6 pieds sous terre comme les autres. Et d'ailleurs, elles ajoutent que vu les sévices qu'elles ont subis, elles auraient pu y passer à tout moment. Faut pas oublier que les deux jeunes femmes ont dû subir plusieurs opérations chirurgicales sur l'ensemble de leur corps, dont leur partie génitale, afin de réparer ce que Claude Dunant et tous ses clients à lui, leur avaient fait subir. Elles auraient pu y passer. Donc elles sont catégoriques, il y a eu d'autres jeunes femmes avant elles qui en sont mortes. Et pour corroborer leur déclaration, Paul Lefort, donc le client qui a assumé son implication, a lui aussi dit que Claude Dunant lui avait confié avoir déjà tué certaines jeunes femmes par le passé. Du coup, les enquêteurs creusent. Ils creusent histoire de chercher des victimes potentielles des Dunant. Et là, ils retrouvent la trace d'une jeune femme, Isabelle, ancienne pupille de l'ADAS et ancienne prostituée à Auxerre, qui avait été recrutée par les Dunant début 1982 afin de participer à des soirées sadomaso contre rémunération. La jeune femme est retrouvée, elle a changé de département, elle a changé de vie. Et du coup, la police l'interroge. Et elle leur dit « Écoutez, moi, effectivement, ils sont venus me voir début 82. Ils m'ont payé
pour participer à leur soirée pour prostituer avec eux. Mais au bout de quelques mois, j'ai décidé d'arrêter parce que les pratiques étaient tellement extrêmes que j'avais vraiment peur pour ma vie. J'ai eu peur à un moment donné d'y passer, donc j'ai préféré arrêter. Et elle ajoute que dans la mesure où elle était rémunérée, elle ne portait jamais de cagoule et que donc elle connaît l'identité de certains clients des Dunant. Donc là, pour les enquêteurs, c'est une aubaine, puisque ça peut permettre de comparer les noms qu'elle communique à ceux contenus dans le fameux carnet noir. Le problème, c'est qu'en plein milieu de l'instruction, il disparaît décelé. Bon, il n'est pas le seul à disparaître, hein, puisque Paul Lefort, donc l'un des clients qui a reconnu son implication et qui est donc un témoin clé de cette affaire, décède en 1984 d'un infarctus, suivi peu après de Georges Etévian, qui meurt dans les mêmes conditions. Quant à Joseph Kiok, qui a toujours nié son implication, il bénéficie d'un non-lieu en plein milieu de l'instruction, au motif que sa présence et sa participation n'ont pas pu être formellement établies. Mais en soi, même si le carnet noir a disparu, on a le témoignage d'Isabelle et elle accepte de venir témoigner. Elle dit « Oui, le jour où s'ouvrira le procès, je serai là, je dirai tout ce que j'ai à dire. » La jeune femme a subi de tels traumatismes. Et puis, le fait de voir ce qu'ont vécu Huguette et Michaela contre leur gré, du coup, ça la motive à apporter son témoignage dans cette affaire. Après 4 années d'incarcération, Claude Dunant est remis en liberté provisoire le 6 janvier 1990 en attendant l'ouverture de son procès. S'il a pu bénéficier de ce privilège, c'est grâce à l'intervention d'un certain Georges Fritsch. Georges Fritsch, même si on n'est pas certain qu'il s'agisse de son vrai nom, est un ancien curé qui est également membre du comité de gestion de l'un des établissements de l'APAGE, l'association pour adultes et jeunes handicapés, et c'est également un ami intime de Jean-Pierre Soisson, ministre du Travail et maire d'Auxerre. En gros, ce qu'il s'est passé, c'est qu'à la suite de l'arrestation de Claude Dunant, Georges Fritsch crée en 1986 l'association La Fraternité Notre-Dame, dont le but est de permettre la réinsertion d'anciens détenus. L'année précédant la libération de Claude Dunant, il écrit une lettre au garde des Sceaux, Pierre Arpaillange. Et voilà ce qu'il lui dit. « Je profite de mes vieilles et excellentes relations avec Jean-Pierre Soisson pour solliciter une subvention. Monsieur Dunant a une conduite exemplaire. Il pourrait demander une semi-liberté. » Peu de temps après, le juge bourguignon accepte la demande de liberté conditionnelle de Claude Dunant au motif qu'il y aurait eu un vice de procédure dans le dossier d'instruction. Le procès de Claude Dunant s'ouvre en octobre 1991 et seules Huguette et Michaela viennent témoigner à la barre afin de raconter les sévices dont elles ont été les victimes, puisqu'Isabelle a été renversée par une voiture la veille. Elle survit mais reste clouée à l'hôpital. Elle ne peut donc pas se rendre au procès. Le 1er novembre 1991, Claude Dunant est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans peine de sûreté, ce qui est assez étonnant pour un procès d'assises. Son ex-épouse Monique, puisqu'ils ont divorcé entre-temps, est condamnée à 5 ans de réclusion. Elle sort en 1996 et décède quelques mois après sa libération à la suite d'une chute dans les escaliers. Isabelle, donc l'ancienne prostituée auxerroise qui avait travaillé avec les Dunant et qui avait eu un accident de voiture la veille du procès, est retrouvée morte empoisonnée à son domicile en 1998. L'affaire est classée en suicide malgré les dénégations de sa famille. Claude Dunant sort de prison en juin 2001, après avoir effectué moins de 15 ans de détention. Il s'installe avec sa compagne à Mulhouse, dans une coquette maison du centre-ville, et fait savoir par le biais d'un communiqué de presse qu'il souhaite à présent vivre discrètement, faire le bien autour de lui, afin de réparer ses fautes du passé. Néanmoins, il a quand même tâché de préparer son insolvabilité quand il était en prison, afin que ses victimes ne puissent pas bénéficier d'indemnité de sa part. Plusieurs journalistes ont tenté de l'approcher quand il a été libéré de prison, afin de faire toute la lumière sur cette affaire extrêmement choquante, mais qui comportait quand même pas mal de zones d'ombre. Il était question, d'après les différents témoignages, de magistrats et d'hommes d'affaires de Paris et de Lyon essentiellement, assez connus. Et puis après l'arrestation d'Émile Louis et de sa condamnation, mais on en parlera dans les autres épisodes consacrés à cette série, mais il y a eu pas mal d'enquêteurs, de magistrats et de journalistes qui ont soupçonné une connexion entre cette affaire-là, donc l'affaire Claude Dunant, et l'affaire Émile Louis, pour différentes raisons. Déjà, la première, c'est qu'on se trouve dans le même département, dans un rayon assez serré et dans un quasi même laps de temps. Ensuite, le profil des victimes, que ce soit dans l'affaire Émile Louis ou dans l'affaire Claude Dunant, on parle de jeunes femmes avec un retard mental ou pupilles de la DAS,
provenant des foyers et des instituts spécialisés du couple Charrier. L'autre point souligné par les enquêteurs, c'est qu'Émile Louis et Claude Dunant ont vécu tous les deux au quasi même moment à Migennes, une commune proche d'Auxerre. Et enfin, ce qui a surtout interpellé les journalistes et les enquêteurs à l'époque qui décelaient une connexion entre ces deux affaires, c'est les relations communes entre Émile Louis et Claude Dunant. Par exemple, il remarque qu'Émile Louis était un proche de Nicole Charrier, donc Nicole Charrier, l'épouse de Pierre Charrier, Pierre Charrier étant le secrétaire général de la Page et le directeur de l'IME d'Auxerre. C'était un proche de Nicole Charrier puisqu'elle a fait partie de sa défense lors de son procès en 1983. Vous savez, la fameuse lettre où elle vante ses qualités. Nicole Charrier travaillait avec Jean-Pierre Soisson, ministre du Travail et maire d'Auxerre, dans les années 80 en tant que conseillère municipale dans son cabinet. Jean-Pierre Soisson était un proche de Georges Fritsch, puisque celui-ci a écrit une lettre au garde des Soirs Payange en expliquant être un ami de Jean-Pierre Soisson. Les enquêteurs à l'époque n'avaient pas pu creuser davantage cette piste, faute d'éléments concordants. Bon, après plusieurs semaines d'insistance, un journaliste parvient à soutirer une interview à Claude Dunant, plus de 10 ans après sa sortie de prison. Et tous les deux vont boire un café ensemble, et puis le journaliste va lui poser des questions très ciblées. Cette interview en dit beaucoup et très peu en même temps. Moi, il a fallu la prison pour que je quitte ce milieu sadomaso et tout ça. Je savais, quand ça empirait avec ma première épouse, je savais que j'irais en prison. Mais ma première épouse, elle avait le chic pour faire connaissance d'hommes bien placés. Hein. Et puis on a fait connaissance de quelqu'un qui nous a dit « Attends, ta femme, il faut lui faire connaître un autre monde, tu vas voir que là, ça va l'adresser un peu et tout. » Et puis il nous a initiés. C'est comme ça qu'on est rentré dans le salon. C'est Étuevant, non, c'est ça? Hein? C'est Georges Étuevant? Oui, c'est ça. Ouais. Qui a décédé aussi, lui? Oui, bah oui. Et combien il y en avait de clients différents, à peu près? On va parler d'une trentaine. Vous savez, au tribunal, ils ont dit qu'on aurait dû être une cinquantaine. Ouais. Au moins des accusés. Ils étaient à peu près dans les normes. Ouais. On n'avait que des Parisiens, des gens de la région de Paris. Des gens de la haute, quoi. Bon, c'est sûr que c'était pas le... Est-ce qu'on a parlé aussi d'un politique nationalement connu? Un homme politique nationalement connu? Il y a eu des gens de la politique, oui, mais enfin... Un ministre nationalement connu. C'est pas ministre. Pas ministre. J'étais quelqu'un dans un parti politique. Mais... Nationalement connu? Oh, son nom n'était sûrement pas inconnu, mais enfin, c'est tout. Le problème, c'est qu'on a... Et celui-là, même, il n'était pas dangereux parce qu'il venait un spectateur. Après ça, Claude Dunant ne s'est plus jamais manifesté publiquement. Et du côté des disparus lyonnais, du coup, on en est où? Souvenez-vous, on est en 1985, le juge bourguignon vient juste de classer sans suite l'affaire sur les disparus de Lyon, tandis qu'il vient de rendre un non-lieu pour l'affaire sur le meurtre de Sylviane Durand-Lesage. L'adjudant Jambert, quant à lui, retourne à ses occupations à la section de recherche d'Auxerre. Bon, lui ne sait pas que tout son travail a été classé sans suite. Émile Louis a déménagé dans le Var afin d'y refaire sa vie, donc l'affaire sur les disparus de Lyon tombe progressivement dans l'oubli et dans l'indifférence. Jusqu'à ce qu'un citoyen lambda déclenche un raz-de-marée médiatique qui relance toute cette affaire. Le soir, elle rentre à 5 heures, comme d'habitude, 5 heures à 4. J'étais en train de repasser dans ma cuisine. Elle m'embrasse, comme d'habitude. Elle pose son sac d'école près de la fenêtre de la cuisine. Elle sort avec son petit poste à la main. Et elle avait l'habitude de se promener un petit peu devant la porte. Je trouvais ça tout naturel. J'appelle Chantal, pas de Chantal. Alors, 6h30 passe, je suis dans la chambre, elle est dans la chambre en train de faire ses devoirs, faire quelque chose, pas de Chantal. 7h, pas de Chantal. Je ne peux pas vous dire autre chose, je ne l'ai pas vue. Ça s'est fait en l'espace de, on peut dire, de 5 minutes. Émile Louis, qui vient de s'installer dans le Var à sa sortie de prison en février 1984, reprend une vie normale. Il emménage chez la sœur de son ex-femme à Fréjus et enchaîne les petits boulots
tout en tâchant de rester discret, jusqu'à cet événement tragique d'avril 1989. Un petit garçon belge de 10 ans, Joris Viville, est retrouvé mort assassiné à Port-Grimaud après avoir été enlevé dans le camping où il séjournait avec sa famille. Le premier à être suspecté et mis en garde à vue, c'est Émile Louis. Émile Louis a des antécédents d'agression sexuelle sur les enfants et il vit dans un camping-car à proximité de celui de la victime après que sa belle-sœur l'a foutu à la porte de chez elle puisqu'il avait tenté d'avoir des relations intimes avec elle. Du coup, les enquêteurs se disent que cette piste est intéressante et qu'il faut la creuser. Toutefois, ils ne parviennent pas à trouver de preuves suffisantes et concrètes de sa culpabilité. Il est donc relâché. Petite parenthèse, le tueur en série Francis Holm sera arrêté en 1992 pour plusieurs meurtres, dont celui-ci. Le 23 novembre 1989, soit quelques mois après avoir été suspecté du meurtre du petit Joris Viville, Émile Louis est condamné à 5 ans de prison ferme pour des attouchements sexuels commis sur les enfants de ses voisins. Il retombe donc derrière les barreaux. Et pendant ce temps, du côté de Lyon, Pierre Monnoir, un auxerrois dont le frère est handicapé mental, fait le tour des instituts spécialisés d'Auxerre et des environs à la recherche d'un centre convenable qui puisse répondre aux besoins de son frère. Et au fur et à mesure de ses visites, en parlant avec le personnel des instituts spécialisés, il entend parler de certaines disparitions de jeunes femmes handicapées mentales qui auraient eu lieu dans la région dans les années 70 et dans l'indifférence générale. Lui, au départ, il ne sait pas si cette histoire est vraie. Après tout, il est membre de la page en tant que famille de handicapés mentales et il n'en a jamais entendu parler. Du coup, il se met à poser des questions. Il se renseigne, il recherche. Et à force de creuser, et sans même savoir que plusieurs années auparavant, l'adjudant Jambert avait déjà commencé un travail d'investigation, mais il répertorie 4 disparitions. Chantal Gras, Madeleine de Juste, Bernadette Lemoine et Christine Marlot en 1977. La disparition de Christine Marlot n'a jamais été établie à l'époque par l'adjudant Jambert. Voici pourquoi. Christine Marlot, c'est une pupille de la DAS qui a été abandonnée par sa mère quand elle était très jeune, puisque celle-ci n'avait pas la possibilité de l'élever. Elle intègre le foyer de Montmercy en 1974 et est inscrite à l'IME d'Auxerre au vu de son QI qui est très bas par rapport à la moyenne. Ce qui signifie que l'année de sa disparition, à savoir 1977, elle a 15 ans, mais le QI d'un enfant de 7 ans. Le 23 janvier 1977, elle sort du foyer avec une amie à elle pour faire une balade. Son amie rentre le soir même au foyer sans Christine. On ne la reverra plus jamais vivante. Le foyer ayant estimé qu'il s'agissait d'une fugue, n'avertit ni la gendarmerie, ni la DAS, ni la famille de Christine. Le 25 mai, soit quelques mois après, Christine Marlot est rayée de la liste des élèves de l'IME d'Auxerre avec réorientation dans un établissement situé à Dijon, alors que la jeune fille a disparu depuis plusieurs mois déjà. C'est pourquoi l'adjudant Jambert n'a jamais été au courant de cette disparition, puisque durant son enquête, la jeune fille n'était pas portée disparue. Elle était inscrite dans un autre établissement situé à Dijon. Ni Pierre Charrier, ni son épouse Nicole ne lui avait rapporté cette disparition. Pierre Monnoir, quand il répertorie la liste de ses 4 disparitions, il comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. D'autant que lorsqu'il essaie de poser des questions aux instituts spécialisés, à savoir l'IME et le foyer de Montmercy, il y a comme une sorte d'omerta. Donc lui, il se dit que ça sent pas bon. D'autant qu'au même moment, il apprend la condamnation d'une figure très connue du milieu éducatif, Pierre Charrier. En mai 1992, Pierre Charrier, qui est alors l'ancien directeur de l'IME d'Auxerre et le secrétaire général de l'APAGE, est condamné pour attentat à la pudeur sur personne vulnérable par personne ayant autorité. Il prend 6 ans ferme. En gros, ce qu'il s'est passé, c'est que le 5 octobre 1989, Pierre Charrier est interpellé par la police après avoir été surpris en flagrant délit de viol dans sa voiture sur l'une des élèves handicapées de l'IME, Nathalie. Nathalie, qui est également pensionnaire dans l'un des foyers gérés par sa femme Nicole, qui est devenue directrice de foyer entre-temps. Durant l'instruction, on apprend que d'une part, Nathalie présente un retard mental très prononcé et que d'autre part, il la violait régulièrement depuis plusieurs mois déjà en présence d'un autre pensionnaire handicapé, pensionnaire du foyer que sa femme gère. Lui, à la barre, il explique que cette relation était consentie. Il dit non, c'était pas du tout des viols, Nathalie était consentante,
C'est une jeune femme qui m'a allumée pendant très longtemps avant que je ne succombe à ses charmes. Quand on lui parle du QI de la jeune femme, il dit que ça n'a aucun rapport. Il dit, bah écoutez, elle peut très bien avoir le QI d'un enfant et pour autant être provocante, chercher à m'allumer pour que j'entreprenne une relation avec elle afin de lui faire son affaire, comme il dit. Et il explique également son geste par son statut de mari trompé, puisque son épouse Nicole entretient une relation adultérine avec le nouveau président de la page, Georges de Cuypers. Donc en gros, il dit, écoutez, cette relation était consentie, elle le voulait, et en plus de ça, ma femme me trompe. Donc forcément, il fallait que je trouve de l'affection autrement. Quant à la raison pour laquelle cette affaire a été requalifiée en attentat à la pudeur, alors qu'il s'agissait clairement de viol, ça peut s'expliquer par l'image de Pierre Charrier dans la région. C'est une figure connue du milieu éducatif depuis les années 60. Il a longtemps été le héros des handicapés qu'il défendait contre un système qu'il considérait comme inadapté à leurs besoins. C'est pourquoi il est passé d'éducateur spécialisé à directeur de l'IME et secrétaire général de la page. Donc on peut expliquer cette requalification par les soutiens, les relations qu'il avait dans la région. D'ailleurs, la page ne s'est pas portée partie civile durant le procès pour soutenir Nathalie. Et après le rendu du verdict en mai 1992, Georges de Cuypers, qui est donc le directeur de la page de Lyon, ne fait aucun communiqué. Et l'épouse de Pierre Charrier, Nicole, conserve ses fonctions. D'ailleurs, Pierre Charrier conserve également son poste de secrétaire général de la page alors qu'il est en prison. Tandis que Nathalie est maintenue pensionnaire dans le foyer géré par Nicole Charrier et elle va subir les années suivant l'arrestation de Pierre Charrier du harcèlement psychologique de la part de Nicole Charrier qui la traite à longueur de temps, du matin au soir et devant témoins, de petite pute. Elle finit par être hospitalisée pour dépression. Bon, plusieurs familles membres de la page sont totalement scandalisées par cette affaire mais également par le verdict et par le maintien des fonctions de Nicole Charrier au foyer. On parle de viol, on parle de harcèlement psychologique sur des personnes handicapées, alors que la page, justement, est censée protéger ces personnes vulnérables. C'est pourquoi plusieurs familles quittent l'association, et Pierre Monnoir, qui en était également membre, crée le 4 juillet 1992, avec l'aide de Jeanne Beaufumet, l'association ADI, Association de défense des handicapés de Lyon. Le but, c'est de mettre en place un contre-pouvoir face à la page, qui est alors une association historique et toute puissante dans le milieu éducatif pour les handicapés. Une fois que l'ADI est créé, les membres de l'association se lancent dans un travail de recherche et d'investigation autour de toutes ces affaires de disparition que Pierre Monnoir avait découvert, puisque là, avec l'affaire Pierre Charrier, c'est clairement un choc pour eux. Donc ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas d'autres affaires qui traînent comme ça, cachées sous le tapis. Pierre Monnoir va frapper à plusieurs portes. Il va par exemple se rendre au parquet d'Auxerre afin de demander à récupérer les dossiers d'enquête sur les 4 jeunes femmes qu'il a répertoriées comme étant disparues. Et là, on lui répond que les archives des années 70 ne sont pas conservées. Bon, en soi, lui comprend que personne n'a réellement l'envie de s'intéresser à ces affaires de disparition, jusqu'à ce que RTL lui consacre une émission radio le 22 mars 1995. Durant son intervention, Pierre Monnoir explique les raisons pour lesquelles il a souhaité passer à la radio. Il dit voilà, il y a eu 4 disparitions dans Lyon à la fin des années 70, des jeunes femmes handicapées mentales, personne ne s'en est soucié, personne ne s'en soucie encore aujourd'hui, les dossiers d'enquête auraient vraisemblablement disparu si dossiers il y a eu. Et voilà, la DAS ne fait rien, l'IME n'a rien fait à l'époque, sachant qu'il y avait quand même certains personnages assez inquiétants dans le coin. On aimerait bien savoir ce qu'il en est. Donc là, il évoque l'affaire Claude Dunan, donc les torturés d'Apoigny. Il parle également de Pierre Charrier et de sa récente condamnation. Et enfin, il évoque Émile Louis qui avait été condamné dans les années 80 pour des faits d'attouchement sexuel sur des enfants, dont des enfants handicapés. Donc Pierre Monnoir explique que quand même ça fait beaucoup dans un espace assez restreint et qu'il aimerait que l'affaire soit prise au sérieux et qu'on recherche ces jeunes femmes au moins pour s'assurer qu'elles sont toujours vivantes. Son cri de détresse à la radio n'intéresse personne. Les services publics ne se manifestent pas, la DAS ne se manifeste pas, personne. Quelques mois plus tard, soit en septembre 1995, Pierre Monnoir contacte cette fois-ci TF1 pour passer dans son émission à succès, Perdu de vue. Bonjour, nous avons rendez-vous ensemble, mercredi soir, dans Perdu de vue. Qu'elle réussisse sa vie, qu'elle soit heureuse comme elle a envie, c'est le principal.
Grâce à Perdu de vue, Claudine, 17 ans, décide de retourner chez ses parents après une fugue de 8 mois. Perdu de vue, des dialogues à renouer, des conflits à résoudre, des enfants à retrouver. Je vous donne rendez-vous mercredi soir, car nous avons besoin de vous. Perdu de vue, avec Jacques Pradel, mercredi 22h25 sur TF1. Perdu de vue, c'est une émission française. C'était une émission française animée par Jacques Pradel, dont l'objectif était de permettre à des personnes qui se sont perdues de vue de se retrouver, ou à des personnes disparues d'être recherchées grâce à des appels à témoins. Pierre Monnoir harcèle la rédaction de Perdu de vue afin de pouvoir parler à un journaliste, par exemple, à qui il puisse soumettre son histoire. Et à force d'insistance, on lui passe Stéphane Manka, un journaliste qui vient d'intégrer la rédaction. Bon, au départ, Stéphane Manka n'y croit pas à cette histoire. Il se dit, des disparitions de jeunes femmes handicapées mentales, la DAS n'aurait pas réagi, les institutions publiques n'auraient pas réagi, elle serait passée comme ça inaperçue, ça lui semble un peu gros. Toutefois, le directeur de l'émission lui dit, écoute, ça mange pas de pain, renseigne-toi, c'est un coup, les jeunes femmes sont vivantes, tu vas les retrouver, bon, le mec, ça va le calmer, et puis ensuite, il pourra passer à autre chose. Stéphane Manka commence par contacter les mairies où seraient nées les jeunes femmes afin d'obtenir leur état civil. D'une part, ces quatre femmes existent réellement. D'autre part, leur état civil ne mentionne plus rien après l'année où elles auraient disparu. De là, il comprend que l'affaire est peut-être sérieuse. Il contacte la page afin de savoir si eux sont au courant de la disparition de ces quatre jeunes femmes qui étaient d'une certaine façon sous leur responsabilité puisque c'est le rôle de la page. On le met en relation avec Georges de Cuypé, le président, et voilà ce qu'il lui répond. Mon problème n'est pas de savoir s'il y a eu des disparitions, mais de conserver le secret de mes dossiers. Je n'ai pas à vous répondre. Et quand bien même je le voudrais, cela dépend de la DAS, à qui je vais immédiatement écrire dès que j'aurai raccroché. De plus, même si la DAS vous autorisait à fouiller mes dossiers, je ne vous les montrerai pas. Il contacte ensuite la DAS. Le même problème se pose. Circuler, il n'y a rien à voir. Stéphane Manka parvient à remonter la trace de la mère de Chantal Gras. La mère de Chantal Gras lui explique qu'à l'époque de la disparition de sa fille, au départ, elle a pensé qu'il s'agissait d'une fugue. Bon, certes, elle s'est inquiétée au début, elle a contacté la gendarmerie, elle a également déposé au commissariat de police proche de son domicile dans le 92 pour leur signaler que sa fille avait disparu. Mais elle avait ensuite pensé qu'il pouvait s'agir d'une fugue, puisqu'une fois, lors de l'une de ses visites à sa fille chez sa nourrice, le chauffeur de car qui l'avait conduite sur place lui avait dit qu'il connaissait Chantal et qu'elle fuguerait quand elle aurait 18 ans. Le chauffeur de car, un certain Émile Louis. Il parle ensuite à la sœur de Madeleine de Juste. Elle, à l'époque, elle s'était fortement inquiétée de la disparition de sa sœur. Elle avait même fait passer un appel à témoins dans un journal local, sans succès. Tout ce dont elle se souvient, c'est que sa sœur Madeleine avait disparu à la gare routière où elle devait prendre son car spécialisé. Le chauffeur, Émile Louis. Du coup, là, la rédaction de Perdu de vue comprend que l'affaire est sérieuse et ils sentent qu'il y a un lien entre ces différentes disparitions. Ils contactent la gendarmerie de Villefargo qui les met en relation avec la section de recherche d'Auxerre. Et là, coup de théâtre. Le gendarme qu'ils ont en ligne leur dit que d'une part, Émile Louis était bien connu des services de gendarmerie à l'époque de la disparition de ces jeunes femmes et que d'autre part, de leur côté, il n'est pas question de 4 disparitions mais de 6 entre 1977 et 1979. Donc là, en tout, on en est à 7 disparitions. Christine Marlowe, en janvier 1977, Jacqueline Weiss, en avril 1977, Chantal Gras, en avril 1977, Madeleine de Juste, en juillet 1977, Bernadette et Françoise Lemoine, en 1978, et Martine Renaud, en 1979. La gendarmerie leur remet également une copie du rapport de synthèse rédigé par l'adjudant Jambert en 1984, qu'il avait ensuite remis au parquet. Et là, c'est un coup de massue pour les journalistes de TF1, puisque le parquet d'Auxerre leur avait certifié qu'il n'y avait rien concernant la disparition de ces jeunes femmes. Toujours est-il que les conclusions du rapport de l'adjudant Jambert confortent le travail d'investigation mené par Stéphane Manka, puisque lui aussi considère Émile Louis comme le suspect principal.
Le 25 mars 1996, après 6 mois d'enquête, le premier volet consacré à ces disparitions est diffusé à la télé. Les invités sont Pierre Monnoir et Jeanne Beaufumet de l'association ADI, mais également certains membres des familles des jeunes femmes disparues. C'est d'ailleurs durant cette émission qu'ils découvrent qu'il n'y a pas 4 disparitions, mais 7. Ce qui signifie que derrière leur écran, des personnes sont en train de découvrir en direct qu'une jeune femme de leur famille a disparu dans les années 70. Alors, un petit peu solennellement, ce soir, je voudrais quand même dire à ceux qui nous regardent que nous sommes en mesure, après l'enquête que nous avons menée ici à Perdu de Vue, de confirmer, en tout cas, la réalité d'un certain nombre de ces disparitions. Je suis même suffoquée par votre émission. Nous connaissions 4 disparitions, mais nous ne pensions pas qu'il y en avait tant. Et je pense que maintenant, les choses sont suffisamment graves pour que la DAS et les autorités se saisissent enfin du dossier et nous prennent au sérieux. Durant l'émission, il est fait mention du chauffeur de car qui aurait un lien avec toutes ces disparitions, mais le nom n'est pas évoqué pour éviter des poursuites en justice. L'appel à témoins qui est lancé après l'émission est concluant, puisque de nombreuses personnes se manifestent, des amis des jeunes femmes disparues qui affirment ne plus jamais les avoir revues depuis la fin des années 70, mais également les membres des familles des jeunes femmes dont on a appris la disparition au cours de l'émission. Quand ces personnes appellent, elles sont complètement catastrophées, puisque pour elles, la jeune femme de leur famille, donc que ce soit leur cousine, leur sœur, leur tante, en fait, elles pensaient qu'elles avaient fait leur vie, qu'elles s'étaient mariées, qu'elles avaient eu des enfants, mais jamais elles n'auraient cru un seul instant qu'elles étaient portées disparues depuis la fin des années 70. Deux membres de la famille Christine Marlowe appellent la rédaction, sa cousine et son frère, et eux leur disent que la dernière fois qu'ils ont croisé Christine, c'était au début des années 80 à Auxerre. À ce moment-là, la jeune femme était habillée très court, elle était extrêmement fardée. Du coup, ils avaient pensé qu'elle avait fini dans la prostitution. Les jours qui suivent la diffusion de l'émission, l'adjudant Jambert, qui est maintenant à la retraite, accepte de recevoir Stéphane Manka pour évoquer l'affaire, mais hors caméra, il ne souhaite pas être filmé. L'adjudant Jambert, qui est très affaibli depuis quelques temps à la suite de problèmes personnels, lui explique qu'à l'époque, cette affaire l'a beaucoup travaillé, mais pas que lui, d'autres collègues gendarmes de la section de recherche, puisqu'ils étaient tous convaincus de la culpabilité d'Émile Louis, et personne à l'époque ne comprenait l'inaction du parquet. Christian Jambert, c'était un homme passionné par sa profession et par son devoir. Il s'investissait corps et âme dans ses enquêtes, au point qu'à l'époque, son supérieur hiérarchique lui avait demandé de lever le pied, puisqu'il avait tendance à employer certaines méthodes peu conformes à son métier, comme travailler en dehors de ses heures de service, ou même utiliser son propre argent pour obtenir des renseignements. Cet investissement lui a d'ailleurs coûté son mariage quelques années plus tôt, ce qui a provoqué chez lui une grave dépression, au point qu'il a même tenté de se suicider un an auparavant. Stéphane Manka comprend qu'en face de lui, il a affaire à un homme totalement brisé, dont la mémoire est assez défaillante et qu'il ne pourra pas lui être d'une grande aide dans la suite de ses investigations. Quant aux autres protagonistes de l'affaire, à savoir Georges de Cuypé, Pierre Charrier, Nicole Charrier, aucun ne répond à ces demandes. Aucun ne souhaite participer à l'émission ou même apporter des éléments qui pourraient les aider. Du côté de l'ADI, Pierre Monnoir fait appel à plusieurs avocats afin de porter l'affaire devant les tribunaux. Maintenant que les disparitions sont avérées et que la France entière est informée, il faut frapper fort. Les 3 avocats qui s'étaient proposés spontanément pour aider l'association se désistent finalement au motif qu'on pourrait leur invoquer la prescription des crimes. Et contre toute attente, un avocat se propose de porter cette affaire devant les tribunaux coûte que coûte. Maître Gonzalez de Gaspard, un ténor du barreau parisien et ancien avocat du tueur en série Francis Holm. Il monte un dossier complet et le 3 juillet 1996, il dépose un ensemble de plaintes avec constitution de partie civile pour enlèvement et séquestration au tribunal d'Auxerre. Dans la mesure où le parquet d'Auxerre avait classé l'instruction par le passé, les familles des disparus doivent reverser une caution de 5000 francs, donc à peu près 750 euros, par disparu. En gros, puisque l'avocat veut obliger la justice à engager des frais pour instruire cette affaire, on demande une caution aux parties civiles afin de s'assurer que l'affaire n'est pas basée sur du vent. Bon, les familles des jeunes disparus n'ont pas les moyens, ils viennent de milieux pauvres. Du coup, l'ADI parvient de son côté à récolter 10 000 francs, ce qui peut couvrir 2 disparitions.
on choisit Jacqueline Weiss et Christine Marlowe. Le tout est remis au tribunal d'Auxerre qui doit statuer sur la recevabilité de la plainte et fournir une réponse dans les mois à venir. Ce qu'il est important de savoir, c'est que le jour du dépôt de plainte, TF1 est sur place, il filme. Maître Gonzalez de Gaspard, les familles des victimes et l'adjudant Jambert qui a fait le déplacement pour être à leur côté. Donc il les filme pour aller remettre le dossier au procureur. Pour deux raisons. La première déjà, c'est que la France, elle se passionne pour cette affaire depuis plusieurs mois. Lorsque l'émission sur les disparus passe dans Perdu de vue, ça atteint des records d'audience. Donc la France se passionne pour toute cette affaire, cette injustice concernant des handicapés mentaux disparus dans l'indifférence générale. Et la seconde raison, c'est qu'en fait, si Maître Gonzalez de Gaspard demande à TF1 de filmer, c'est pour qu'on ne lui réponde pas par la suite « vous n'avez pas remis le dossier au procureur » ou que le dossier ne disparaisse mystérieusement. Et c'est concluant, puisqu'au départ, quand Maître Gonzalez de Gaspard se rend au tribunal, le procureur refuse de le recevoir et de prendre son dépôt de plainte. Et devant l'insistance des caméras de TF1, il accepte finalement de recevoir l'avocat et de prendre la plainte. En septembre 1996, Perdu de vue diffuse le dernier volet consacré aux disparus de Lyon. Et pour l'occasion, l'adjudant Jambert a accepté d'être interviewé afin de retracer tout le travail d'enquête qu'il a mené et les soupçons qu'il a portés sur le chauffeur de car de l'époque. Une a disparu. Elle est partie d'un foyer un mercredi après-midi en disant à ses petites copines qu'elle partait avec ce chauffeur de car et elle n'a jamais réapparu. Et une autre fois, une autre des filles en question qui avait disparu, il y avait un élément troublant, c'est que c'était lui qui, avec sa propre voiture, l'a emmené à la gare d'Auxerre. Et à partir de ce moment-là, elle part normalement avec lui et elle n'arrive pas à son lieu de travail à Avallon comme prévu et en delà, jamais revue. Émile Louis a lui aussi été contacté avant la diffusion de l'émission afin qu'il puisse bénéficier d'un droit de réponse, soit en participant à l'émission, soit au moins en donnant une interview. Il a accepté un rendez-vous avec le journaliste Stéphane Manka à son domicile à Draguignan, mais a catégoriquement refusé d'être filmé ou enregistré. Durant leur échange, il explique au journaliste qu'il est totalement innocent de tout ce dont on l'accuse. Il n'a jamais enlevé aucune de ces jeunes femmes, ne leur a jamais fait de mal. Et d'ailleurs, il ajoute même qu'il n'a jamais agressé sexuellement d'enfants, qu'il a été condamné par erreur par le passé, qu'il s'agit d'erreurs judiciaires, mais surtout d'acharnement contre sa personne à cause de son ancienne conjointe de l'époque, Gilberte Lemenorel. Il lui parle de sa vie, de son mariage avec Simone Delagneau, de sa période, de sa relation adultérine avec Gilberte Lemenorel, de sa vie dans Lyon, mais il esquive soigneusement les questions poussées du journaliste qui ont un rapport avec les jeunes femmes. Il dit qu'il en a côtoyé quelques-unes par le passé. Il dit « Oui, j'étais chauffeur de car, donc forcément, j'ai déjà croisé un tel. » Il admet avoir eu une aventure avec Françoise Lemoine. Mais pour le reste, ce sont des rumeurs. Ces jeunes femmes ont certainement fugué. Mais s'il leur arrivait malheur, Émile Louis a sa petite idée sur la question. Il explique aux journalistes que ce sont certainement des Arabes qui leur ont fait du mal et qui tente de le piéger. Il dit qu'à l'époque, quand il vivait dans Lyon, il avait remarqué que plusieurs jeunes Arabes traînaient à proximité de son village et il se souvient même avoir été suivi plus d'une fois par ces Arabes. D'après lui, il s'agirait en fait de proxénètes qui enlevaient des jeunes handicapés mentaux qu'Émile Louis connaissait afin de pouvoir lui mettre sur le dos toutes ses disparitions si un jour une enquête était ouverte. Stéphane Manka a également rencontré quelques mois auparavant Simone Delagneau, l'ex-femme d'Émile Louis. Il lui a posé des questions sur sa vie avec Émile, si elle était au courant de quoi que ce soit. Simone Delagneau n'a pas été très bavarde. Toutefois, elle lui a rapporté qu'elle se souvenait qu'en 1981, quand Émile Louis avait été arrêté pour les faits d'attouchement sexuel sur mineur, elle lui avait posé la question, elle lui avait dit « Dis-moi la vérité, est-ce que tu as fait du mal à ces enfants? Est-ce que tu as fait du mal à ces jeunes femmes? J'aimerais que tu me dises la vérité au moins concernant Jacqueline Weiss. » Jacqueline Weiss avait vécu chez Simone Delagneau qui était sa nourrice. Émile Louis avait répondu à son ex-femme « Je ne peux rien te dire, si je parle, je suis un homme mort. » Du coup, le journaliste lui pose la question, il lui dit « Écoutez, moi j'ai parlé avec votre ex-femme Simone et elle m'a expliqué qu'en 1981, vous lui aviez dit avoir peur de vous faire assassiner. De qui avez-vous peur? Est-ce qu'on vous a menacé de mort ?» Là, Émile Louis lui répond qu'à l'époque, s'il lui a dit ça,
c'est qu'il craignait effectivement pour sa vie à cause de ces Arabes qui avaient certainement fait du mal aux jeunes handicapés. Leur entretien se conclut sur ça, hein, sans rien apporter de plus aux investigations de Stéphane Manka. Du coup, le dernier numéro consacré aux disparus Lyon se termine avec donc, le témoignage de l'adjudant Jambert et l'attente de la réponse du parquet d'Auxerre pour la plainte que maître González de Gaspar a déposée 2 mois plus tôt. Et le 7 février 1997, le coup près tombe. Le parquet d'Auxerre refuse publiquement d'instruire cette affaire au motif qu'aucun élément ne laissait présumer l'existence d'une infraction pénale non prescrite. Le juge d'instruction, quant à lui, a suivi les réquisitions du procureur. Pour les familles des disparus, c'est un choc. C'est un choc puisque le dossier est solide, la prescription a pu être intelligemment détournée avec l'argument de la séquestration des victimes, les témoignages recueillis sont fiables, alors quel est le problème? Maître de Gaspar décide de frapper fort. Il porte l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. Il s'agit de la juridiction française qui a pour objectif de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction. Si la justice ne fait pas son travail, il faut le faire à sa place. C'est-à-dire? Il faut au moins l'aider. On va commencer par dire l'aider. Encore une fois, si nous pensons que certaines investigations n'ont pas eu lieu, nous demandons qu'elles soient faites. Mais si ça prend trop de temps, si les bases qui sont fournies pour ces investigations sont insuffisantes, ben, si nous pouvons obtenir des éléments supplémentaires qui donneront ces bases nécessaires, il faut le faire. D'où l'intérêt d'un détective privé. Et la réponse tombe le 7 mai 1997. La chambre d'accusation ordonne au juge d'Auxerre d'instruire cette affaire au motif que les éléments fournis ne pouvaient être abstraitement rejetés sans avoir été à tout le moins vérifiés. En gros, ça signifie « vous ne voulez pas le faire, bah vous allez le faire ». Pour les familles des disparus, c'est une première victoire. L'enquête va enfin pouvoir commencer avec la plupart des protagonistes de l'époque. Jusqu'à ce curieux suicide du 4 août 1997. On peut dire que dans l'affaire des disparus de Lyon, on n'a pas été brillant. Je me suis laissé convaincre qu'il s'agissait de fugue, alors que manifestement, ce n'était pas le cas. À partir du moment où vous vous trompez, bah, c'est que vous avez manqué de clairvoyance, hein. C'est aussi bête que ça. Hein. Je veux dire que là, manifestement, il y avait autre chose à gratter et je l'ai pas découvert. Les charges retenues contre Émile Louis lors de son procès en assises coïncident à peu de choses près aux conclusions de Jambert établies 20 ans avant. Mmh. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la preuve flagrante de l'échec de l'institution judiciaire? Alors, on peut dire ça comme ça. Ça a été fait à retardement, ça n'a peut-être pas été bien fait. Il y a peut-être eu des erreurs, il y a peut-être eu des fautes, j'en sais rien. Moi, je répondrai pour moi. Je pense qu'effectivement, je n'ai pas été suffisamment attentif à ce que disait Jambert. De fait, l'instruction est ouverte et le juge d'Auxerre souhaite entendre Christian Jambert en tant que témoin à la demande de maître González de Gaspar pour 2 raisons. La première étant qu'il s'agit de l'enquêteur principal pour ces disparitions, donc il a des éléments à apporter. Mais la seconde et la plus importante, c'est que le rapport d'enquête que l'adjudant Jambert avait déposé au parquet d'Auxerre en 1985 et qui avait mystérieusement disparu, a finalement été retrouvé. Pour ce passage de l'histoire, 2 versions existent. La première version, c'est que c'est le successeur de Jacques Casals, donc le procureur au tribunal d'Auxerre, qui a retrouvé le rapport d'enquête dans le coffre-fort de Jacques Casals. Donc lui, en fait, en récupérant le bureau de son prédécesseur, il a retrouvé ce rapport dans le coffre-fort. La seconde version, au contraire, dit que ce rapport d'enquête n'a jamais été caché par le procureur, mais qu'en fait, il a été déposé par erreur dans la salle d'archives où se trouvent les dossiers classés sans suite. Sur la pochette du rapport d'enquête est écrit à la main, en gros, non, N-O-N, et on reviendra par la suite sur la signification de ce nom. Pour Christian Jambert, la décision de la chambre d'accusation de Paris, bah, c'est une victoire. Et même si c'est un peu tardif, bah, ça reste quand même le signe que la justice française fonctionne quand on tape à la porte des plus hautes instances. Et son audition avec le juge, bah, c'est d'une certaine façon la consécration de toutes ces années d'enquête. Du coup, il commence à reprendre connaissance de son rapport de 1985 pour sa convocation chez le juge qui est fixée au 6 août 1997. Le 4 août, soit 2 jours avant,
Philippe Jambert, le fils de Christian Jambert, se rend au domicile de son père. Il est aux alentours de 9h30. Il pénètre à l'intérieur du domicile et en rentrant dans la cuisine, il découvre un curieux message écrit à la main et destiné à sa sœur. « Pour les assurances vie, il y a suicide, mais je suis malade, donc ça doit être bon. Pardon Isabelle chérie, papa. » Complètement affolé, il fait le tour du domicile et c'est dans le garage qu'il découvre le corps de son père allongé au sol, une carabine long rifle qui gît le long de ses jambes. L'adjudant Christian Jambert est mort, il avait 56 ans. Des gendarmes et un médecin légiste se rendent au domicile à 10h50 afin de procéder aux constatations. Et ce qu'il en ressort, c'est que l'enquête et le rapport sont assez sommaires. Par exemple, les bras de l'adjudant Jambert ne sont pas mesurés, la carabine non plus. Il est utile de mesurer dans ces cas-là afin de s'assurer en fait que les bras pouvaient toucher la queue de détente s'il s'agit véritablement d'un suicide. Or, ça n'a pas été fait. Les doigts du gendarme ont été tamponnés afin de s'assurer qu'il y a bien des résidus de poudre, mais ces tamponnements n'ont jamais été envoyés dans un laboratoire pour analyse. Autre fait, le corps du gendarme n'a jamais été autopsié à la demande du procureur Jacques Casal, qui trouvait que ce n'était pas nécessaire. Du coup, on n'a jamais pu comparer la balle qu'il y avait à l'intérieur de son crâne avec la carabine 22 long rifle. Ce sont des choses qui sont normalement faites en cas de mort violente et a fortiori avec une arme, mais dans ce cas précis, ça n'a pas été fait. Du côté de la famille et des amis de l'adjudant Jambert, on se pose certaines questions. Par exemple, la position de l'arme qui gît sur les jambes du gendarme. S'il s'était suicidé debout, en théorie, l'arme n'aurait pas échoué de cette façon sur son corps. Il est plus probable qu'elle serait tombée à proximité. Donc oui, effectivement, il se pose certaines questions, mais à ce moment-là, ils sont assez bouleversés, puisque faut pas oublier que l'adjudant Jambert avait quelques années plus tôt tenté de se suicider à la suite de son divorce. Du coup, certains émettent l'idée que peut-être, finalement, il avait replongé dans la dépression et qu'avec le stress et l'anxiété occasionnés par la réouverture de l'affaire des disparus de Lyon, ça avait précipité, entre guillemets, son état mental. La mort est donc classée en suicide. Dès octobre 1997, et dans le cadre de l'instruction ordonnée par la chambre d'accusation de Paris, des fouilles sont entreprises à Seignelay. Là, clairement, on recherche des corps. Et même si Émile Louis n'est pas arrêté ou officiellement mentionné, clairement, l'enquête est orientée sur cette piste. Bon, Émile Louis vit toujours dans le Var, il a pris sa retraite, il s'est même remarié. Sa nouvelle épouse, Chantal Paradis, n'est pas au courant, s'est démêlée avec la justice. Il lui a jamais fait état de son parcours, de ses différentes condamnations. Et les liens avec les autres membres de sa famille sont assez distendus. Il n'entretient que de rares relations avec certains de ses enfants et son ex-femme Simone Delagneau. D'ailleurs, sa fille aînée, Marilyn, rapporte même à la gendarmerie durant le temps de l'instruction, donc courant 97, courant 98, elle rapporte à la gendarmerie des vêtements féminins qu'elle a découverts dans le garage familial, cachés et depuis de très nombreuses années vraisemblablement vu la poussière. Les vêtements sont envoyés en laboratoire afin d'être analysés pour voir si on ne peut pas y recueillir de l'ADN appartenant à certaines des disparues de Lyon. Les deux années qui suivent, donc l'instruction est toujours en cours, l'enquête est active. En fait, les enquêteurs reprennent tout à zéro. Donc, ils vérifient les différents témoignages, ils voient s'ils ne peuvent pas découvrir de nouveaux témoins. Et ils vont également réauditionner des personnes qui l'avaient déjà été par le passé, donc dans les années 70 et début des années 80, pour voir si les témoignages sont toujours en accord avec ce qui avait été dit à l'époque, même si on se doute que c'est un peu compliqué, puisque se souvenir de choses qui se sont produites il y a 20 ans, c'est assez complexe, mais là on parle quand même d'une affaire impliquant des disparitions, des meurtres potentiels. Donc on se dit que les gens n'ont peut-être pas oublié quelque chose d'aussi important. C'est pourquoi l'ancienne compagne d'Émile Louis, Gilberte Leménorel, est convoquée à la gendarmerie afin d'être interrogée. On va tout reprendre à zéro ce qu'elle avait dit les fois précédentes. Son audition est prévue au 7 août 1999. Elle prend sa voiture, sort de chez elle, direction la gendarmerie, et elle décède mystérieusement sur le chemin. Son corps est retrouvé sur un talus à proximité de son véhicule. On conclut à un accident. Peu après, soit en mars 2000, c'est sa première épouse, Simone Delagneau, qui décède à la suite d'une longue maladie. Le mois suivant,
Marilyn, la fille aînée d'Émile Louis, se rend à la gendarmerie afin d'y faire des révélations sur son père. Elle explique aux enquêteurs qu'à présent elle se sent prête à dire tout ce qu'elle sait sur son père, puisque sa mère est décédée et qu'elle lui avait fait la promesse, quand elle était vivante, de ne jamais rien révéler de leur secret de famille. Voilà ce qu'elle leur dit. Lorsqu'elles étaient enfants, elle et sa petite sœur ont été violées par leur père, Émile Louis, qui était extrêmement violent, autant avec ses enfants qu'avec son épouse Simone Delagneau, à qui il faisait subir des actes de torture et de barbarie d'une extrême violence. Les enfants avaient pour habitude parfois de retrouver leur mère très tôt le matin, complètement ensanglantée, inconsciente, que ce soit dans la cuisine, dans le salon, dans sa chambre. Et ils avaient également remarqué à l'époque certains objets assez bizarres dans la chambre de leurs parents, des objets qui servaient vraisemblablement à infliger des souffrances dans les parties génitales de leur mère. Mais toute leur enfance, toute leur adolescence, leur mère leur a expliqué qu'ils devaient garder le silence. Elle leur disait « Écoutez, c'est notre secret à nous, il ne faut pas en parler. Puis de toute façon, si on en parle, vous connaissez votre père, il serait capable de nous tuer. » Donc là, pour les enquêteurs, on a un contexte. On a un contexte familial assez particulier, très violent, que ce soit de la violence sexuelle, de la violence psychologique, de la violence physique, parfois extrême. Mais Marilyn leur dit qu'il y a quelque chose d'encore plus atroce qui s'est passé dans sa famille, un secret de famille dont elle n'avait pas le droit de parler jusque-là. Elle leur dit, voilà, moi, quand j'avais 10 ans, en 1967, c'était un soir, on rentrait, on était en voiture, moi, mes deux frères et ma petite sœur, donc les quatre enfants Louis, avec notre père, notre mère étant à la maison. Et on avait passé la journée à l'extérieur, donc ce soir-là, ils nous ramenaient à la maison. Et sur le chemin du retour, mon père s'est arrêté et a pris une autostoppeuse en voiture, une jeune femme. On a roulé et arrivé près d'une forêt, mon père s'est arrêté. Il a fait descendre la jeune femme. Il m'a demandé de garder mes deux frères et ma sœur à l'intérieur de la voiture et de ne surtout pas sortir. Marilyn explique qu'elle a attendu à l'intérieur de cette voiture, que les minutes sont passées, toujours pas de retour de son père ni de la jeune autostoppeuse. Du coup, elle est sortie de la voiture. Elle s'est avancée en direction de l'endroit que son père avait pris avec la jeune femme. Et c'est derrière des feuillages qu'elle a vu son père en train d'éventrer la jeune autostoppeuse qui était allongée au sol, nue et ligotée. Elle explique qu'elle n'en a jamais parlé à personne à cause des menaces de son père. Quand son père a vu qu'elle se trouvait là devant lui, qu'elle l'avait vu tuer cette jeune femme, il lui a dit « Si tu racontes à qui que ce soit ce que tu as vu, je réserve le même sort à ta mère. » Sa sœur et ses frères ont également été interrogés afin de savoir s'ils corroboraient les dires de Marilyn, s'ils se souvenaient de cette histoire. Et eux ont toujours expliqué que ce meurtre n'avait jamais existé, que leur sœur avait menti. Elle, Marilyn, a toujours juré avoir dit la vérité en expliquant qu'elle n'avait aucun intérêt à inventer une histoire aussi glauque. À ce jour, aucune investigation n'a permis de découvrir l'identité de cette jeune femme. Je ne sais pas par où commencer. D'abord, de toute façon, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que ma mère est morte. J'avais promis de ne rien dire et j'avais très peur pour elle parce que mon père exerçait une pression énorme sur moi à l'époque où les faits se sont produits, enfin, ce que je vais vous raconter. Moi, je l'ai vu tuer quelqu'un à l'âge de 10 ans. Et il m'a vu puisque j'ai dû pousser un cri, je ne sais trop, je ne me souviens plus. Il a laissé la jeune fille là, comme ça. Il m'a tiré par les cheveux en me disant « Tu as vu ça, tu ne dis rien, sinon je fais la même chose à ta mère. » Je vois comment ont pu finir ces jeunes filles. À mon avis, elles ne sont pas vivantes, de toute façon. Mais une chose est certaine pour moi, c'est que c'est lui qui les a fait disparaître. L'ADI, donc l'Association des handicapés de Lyon, a de son côté engagé un ancien gendarme devenu détective privé, Jean-François Abgral, qui va donc investiguer dans Lyon et qui va découvrir tout un tas de choses assez étranges qui entourent cette série de disparitions. Tout d'abord, il apprend que dans la région, des restes humains ont été découverts par des enfants quelques années plus tôt, sans que le procureur Jacques Casal ne demande d'identification afin de voir si ça correspondait à l'une des sept disparues. Il se rend également dans le sud de la France, donc dans le Var, afin d'investiguer. Et là, elle remonte la piste d'un homme avec qui Émile Louis s'était lié d'amitié à la fin des années 80 après avoir déménagé dans le Var. Cet homme confie au détective privé qu'il a eu de nombreuses conversations avec Émile Louis et que ce dernier lui a à plusieurs
reprises parlé de ses fantasmes de viol et de torture sur des femmes et qui lui a dit être passé à l'acte à plusieurs reprises. Le détective Abgral retrouve également certaines victimes d'Émile Louis, des anciennes pupilles de la DAS, qu'il avait à l'époque enlevées, torturées et violées, mais laissées en vie. Quelle est votre relation alors en fait ? C'est un ami ? Oui, c'est un ami. Oui. C'est un ami, il me rendait service, il m'emmenait voir me faire des courses, vous voyez, c'est un ami, il venait boire un café l'après-midi, enfin, c'était un ami. Voilà. Vous pouvez me décrire un petit peu comment il fonctionnait ? Comment il se présentait ? Qu'est-ce qu'il racontait de sa vie ? Je sais pas, il me parlait jamais de sa vie. Pourquoi il venait vers vous alors ? Ben, je pense qu'il venait vers moi parce que c'était plutôt moi qui avais besoin de lui que lui avait besoin de moi. En totale confiance, Jocelyne est loin de se douter qui se cache derrière le masque de sympathie du chauffeur de bus. Au cours d'une promenade anodine, la véritable personnalité d'Émile Louis va se révéler. Il y avait une descente, après je suis rentrée dans la maison. Et c'est là qu'il m'a attaché les mains. Je pense qu'il m'a même mis un chapeau sur la tête ou un slip sur la tête. Puis après, il m'a fait mal dans le dos. Enfin, il m'a battu, je ne sais pas exactement si c'était avec un fouet ou que je n'ai pas trop vu. Et je crois qu'il m'a même bandé les yeux. Oui, il m'a emmené avec les yeux fermés ici. Hein. C'était pas en cherchant, on savait qu'il... Ouais, c'était son coin. Voilà, je pense que c'était son coin. Hein. Mais ça me fait pas des flashs. Là, ce que je ressens là maintenant, c'est pire que tout. Je sais pas, je peux pas vous expliquer pour l'instant, c'est dur quand même. Bon, je le verrai là, je crois que je le tuerai moi-même. Hein. Tous ces éléments sont très intéressants, puisqu'ils permettent de resserrer l'étau autour d'Émile Louis. Mais ils sont d'autant plus intéressants, puisque ça permet de se poser la question de complicité potentielle, voire de réseaux organisés. Faut pas oublier qu'Émile Louis, il a pu agir pendant de très nombreuses années et en toute impunité. Du coup, on se pose la question, est-ce qu'il a pas eu des complicités au placé ? Est-ce qu'il a pas travaillé pour un réseau organisé ? Et cette piste du réseau semble encore plus pertinente quand éclate l'affaire Zandvoort. On est en février-mars 2000, ok ? Jean-François Abgral est en train d'enquêter dans Lyon, mais également dans le sud à présent, autour d'Émile Louis, autour de complicités potentielles. Février 2000, l'Humanité fait la une de son journal avec une sordide affaire de réseau pédocriminel récemment découvert et implanté en Europe. En gros, voilà ce qui se passe. L'association belge de lutte antipédophile Morcoven remet à la police belge en juillet 1998 des documents prouvant l'existence d'un réseau pédocriminel implanté à Zandvoort en Hollande. Ces fichiers, comme ils seront appelés plus tard les fichiers Zandvoort, contiennent des correspondances entre pédophiles qui parlent de leurs préférences, qui s'échangent des petits tuyaux, des petites astuces pour trouver des enfants, pour pouvoir abuser sexuellement d'enfants. Les fichiers Zandvoort contiennent également des CD-ROM contenant des images et des vidéos montrant des viols sur des adolescents, sur des enfants, mais également sur des nourrissons. Les membres de l'association Morcoven ont enquêté pendant plusieurs années pour pouvoir remonter la piste de ce réseau et rassembler toutes ces preuves. La justice française avait également reçu une copie du fichier Zandvoort au moment où l'association l'avait remise à la police belge. Mais aucune investigation n'avait été menée jusqu'à ce que l'affaire devienne virale en 2000 grâce à l'article du journal L'Humanité. La garde des Sceaux de l'époque, Elisabeth Guigou, est alors mise dos au mur. Elle est obligée d'agir. Du coup, sous la pression des journalistes, les visages des victimes qui sont tirés des photographies sont regroupés dans un fichier qui sont transmis à toutes les gendarmeries et à tous les commissariats de France afin qu'ils puissent être consultés au besoin. Toutefois, et pour des raisons qui lui appartiennent, Elisabeth Guigou exige que ce soit le juge parisien Ringot qui soit averti si une famille reconnaît le visage d'un proche parmi toutes ces photographies. Le 6 juillet 2000, les familles des 7 disparus de Lyon se rendent à la gendarmerie d'Auxerre afin de consulter ce fichier pour voir s'ils reconnaissent l'une des jeunes femmes. Vous voulez consulter tous ces clichés photographiques, s'il vous plaît ? Et regardez si
une photographie vous dit quelque chose. Il y a quand même une ressemblance. On peut pas voir. Rien qu'à la coupe déjà. Mais on ne peut pas voir si c'est un garçon ou une fille là. Non, c'est pas facile étant donné qu'on ne voit pas le visage. On saura après. Donc on va, c'est de comment ? Arriver à la vérité. De savoir la vérité. Qui a fait le coup et. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on retrouve notre sœur en vie. Et je me battrai jusqu'au bout pour la retrouver. Ce qu'il en ressort, c'est que Gisèle Lemoine reconnaît formellement sa sœur Françoise sur l'une des photographies. La fille de Françoise Lemoine, Francine, reconnaît également sa mère sur la même photographie, sans avoir pu se concerter au préalable avec sa tante. Elle la reconnaît grâce à des anciennes photographies qu'elle a de sa mère. Donc les deux femmes reconnaissent Françoise Lemoine. Liliane Renaud reconnaît également sa sœur Martine Renaud dans l'une des photographies. Mais c'est pas tout, hein, puisque plusieurs dizaines de familles à travers la France reconnaissent un enfant ayant disparu dans les fameux fichiers lorsqu'ils vont les consulter à la gendarmerie ou au commissariat. Lorsque le juge Ringot et plus globalement le ministère de la Justice est averti de ces identifications, que ce soit par la famille de Françoise Lemoine, celle de Martine Renaud ou des dizaines de familles à travers la France, aucune investigation poussée n'est menée au motif qu'en fait les familles se seraient trompées ou qu'il s'agirait vraisemblablement de sosie. Les semaines qui suivent, l'ADI, donc l'Association pour la défense des handicapés de Lyon, qui est toujours restée très proche des familles des disparus de Lyon, puisque toute cette affaire a éclaté grâce à cette association, continue d'investiguer dans Lyon pour voir s'il n'y aurait pas d'autres affaires à déterrer comme ça qui ont été cachées, que ce soit par l'IME, donc l'Institut Médico-Éducatif d'Auxerre, par l'APAGE ou encore par le CAT, le Centre d'aide au travail de Sens. Et là, les recherches sont payantes puisque l'association découvre que depuis 1995, 13 jeunes filles pupilles de la DAS ont été stérilisées à leur insu, à savoir qu'elles ont été emmenées à l'hôpital d'Auxerre afin d'y subir une ligature des trompes sans leur accord. L'association porte plainte contre X en septembre 2000 pour violences ayant entraîné des mutilations et des infirmités permanentes et non dénonciation de crimes. La DAS réagit aussitôt et publiquement et affirme qu'il n'y a jamais eu de politique d'eugénisme au sein de la DAS et de toutes les structures ayant un lien avec elle, donc que ce soit l'IME, le CAT ou la PAGE, et que de toute façon, ces stérilisations ont cessé depuis 1999. Bon, là, les Français découvrent avec horreur au fil des mois et des années toutes ces affaires qui s'ajoutent les unes sur les autres, que ce soit la stérilisation de ces jeunes femmes handicapées, des disparitions non déclarées, l'affaire Claude Dunant, donc des handicapés torturés, violés et prostitués, des attouchements sexuels sur des handicapés, et des viols également par Charrier, des violences psychologiques exercées par Nicole Charrier. Enfin, les Français découvrent qu'il s'est passé tout un tas de choses dans Lyon, qui est historiquement le point d'ancrage de toutes les associations pour handicapés de France, puisque c'est historiquement là en fait que ça s'est développé. Et là, on découvre avec horreur tout ça. Donc il y a un véritable intérêt autour de toute cette affaire qui en fait jaillir tout un tas d'autres. Et c'est le moment où ils découvrent enfin celui que l'on surnommera plus tard le boucher de Lyon. On vient vous voir, je suis journaliste. Oui. J'aimerais discuter avec vous si c'est possible. Non. Écoutez, si. J'ai encore cette affaire-là, alors foutez-moi la paix avec ça. Parce que moi, je commence à m'avoir marre. Ça fait plus de 20 ans. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire chier encore, là? Mais justement, c'est un peu pour ça qu'on vient. Ouais. C'est pour raconter encore de vos mensonges à vous. Et puis surtout avec ça, on se m'emmène avec ça. Moi, je vous dis franchement, si je me retenais pas, je prendrais mon fusil, je vous en foutrais un coup. Vous voyez, j'ai pas peur de le dire. Oh bah, écoutez, moi, vous avez pas de raison de m'en foutre un coup. D'abord, je vous ai pas agressé, j'ai rien dit du tout. Hein. Pour l'instant, non, on vous demande simplement gentiment. Ça, vous dit est-ce que vous voulez avec ça. Il n'y a rien sur le dossier, il n'y a absolument rien, c'est tout ce que je peux vous dire. Mon avocat, j'ai un avocat qui s'est proposé gratuitement. Hein. Et au moment voulu, ben, il n'y a rien au dossier.
Est-ce qu'il y a des preuves contre moi? Ah, moi, j'en sais rien. Je suis pas un enquêteur de la gendarmerie. Hein. Ben alors, il n'y a aucune preuve. Il n'y a rien. Alors qu'on fout la paix quand même. Qu'on me laisse en paix au moins. Je l'ai déjà dit, bon, parce que... Qu'est-ce que vous avez dit? Hein, que c'était mafioso, c'est tout. C'était un coup monté contre moi. Mais il y avait autre chose dessous, là-dessous. Hein. C'est-à-dire? Eh ben, ils n'ont qu'à chercher. Hein. C'est pas 23 ans après. Si l'enquête avait été bien faite tout de suite, peut-être qu'ils auraient trouvé quelque chose. Peut-être. Et finalement, le 12 décembre 2000, et après 4 années d'investigation, Émile Louis est interpellé à Draguignan et mis en examen pour enlèvement et séquestration. Bon, au début de son audition, Émile Louis nie son implication. Hein. Comme par le passé, il explique que non, il n'a rien à voir là-dedans, que c'est un bonhomme, qu'il a travaillé dur toute sa vie, qu'il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit, qu'il a été piégé, que ce soit par Gilberte Lémenorel ou par ces fameux Arabes qui enlevaient des jeunes femmes dans son sillage, histoire de brouiller les pistes. Et puis à un moment donné, il leur dit « Mais de toute façon, quand bien même vous auriez des preuves contre moi, vous pourriez rien me faire puisque je suis protégé par des gens haut placés. » Là, les enquêteurs se disent qu'ils vont tenter un coup de bluff. Ils savent qu'Émile Louis a consulté dernièrement un avocat afin de se renseigner sur la notion de prescription de crime. Du coup, ils vont s'en servir. Ils lui disent « Écoute, Émile, ces crimes, de toute façon, enfin, il y a prescription. Ça fait beaucoup trop loin. Tu ne seras pas condamné pour ça. Seulement... s'il s'agit véritablement de crime. Maintenant, s'il est question d'enlèvement et de séquestration, là, effectivement, tu peux encore être condamné, parce qu'on n'a pas de corps. Donc, ce qu'il te suffit de faire, c'est d'avouer, de dire ce que tu as fait à ces jeunes femmes, et surtout de nous désigner où se trouve leur reste. De là, tu pourras rentrer chez toi. Émile Louis demande alors à consulter le code pénal. Il dit « Ok, prouvez-moi que ce que vous me dites, c'est vrai, que je ne serai pas condamné. » Donc là, on lui montre l'alinéa correspondant dans le code pénal relatif à la prescription de crimes, et effectivement, les crimes sont trop anciens. Du coup, il passe aux aveux. Plus de 20 ans de silence et les aveux. Émile Louis a été écroué hier soir après avoir reconnu les meurtres de 7 jeunes filles handicapées mentales que l'on appelait les disparues de Lyon. À l'époque, cet ancien chauffeur de car aurait enterré les corps de ses victimes dans un champ à Rouvray, près d'Auxerre. C'est là que les recherches se sont poursuivies aujourd'hui. Alors que se pose maintenant la question de la prescription, ces crimes ayant été commis il y a plus de 10 ans. Reportage Sylvain Lequen, Salah Agrabi. Pour les familles des victimes, les meurtres avoués par Émile Louis résonnent comme une terrible désillusion. Les familles, encore hier matin, lors de son interrogatoire, m'appelaient pour me dire « mais il fait partie d'un réseau, il va avouer, on va retrouver notre sœur, etc. » L'ancien chauffeur de car a fini par craquer. Émile Louis a été déféré devant un juge d'instruction à Auxerre. Durant sa garde à vue, le vieil homme s'est enfin livré aux enquêteurs. Il explique de façon très circonstancielle la façon dont il les a approchés. Il dit que parfois il est habité par une petite bestiole, une petite bête qui s'empare de lui et qui lui fait faire des choses atroces et même qu'après il s'en souvient pas vraiment. Il explique par exemple pour l'une des victimes qu'il s'est rendu avec elle près d'un étang, qu'ils ont eu un rapport sexuel à l'arrière de sa voiture et qu'à un moment, cette petite bestiole l'a fait dérailler et qu'il a repris conscience ou il s'est réveillé peu de temps après. Et là, il a constaté qu'il avait assassiné la jeune femme. Donc il dit oui, c'est vrai, c'est moi, mais quelque part, c'est pas vraiment de ma faute puisque je suis habité par une puissance que je n'arrive pas à maîtriser. Les enquêteurs lui demandent ce qu'il a fait de la dépouille de ces jeunes femmes. Et là, il leur explique qu'il les a toutes enterrées sur le bord du Serein à Rouvray. À partir de là, la prescription saute. Alors, de ce que j'en ai compris, en fait, la prescription démarre au moment où un crime est découvert. Or, dans ce cas, il n'y avait pas de crime, puisqu'il s'agissait d'enlèvement et de séquestration. Du moment où il avoue le crime, donc à savoir lors de cette audition, du coup, la prescription commence à ce moment-là, puisqu'avant ça, il n'y avait pas de crime. Donc, apparemment, c'est comme ça, en fait, de ce que j'en ai compris, hein, tout du moins, que la prescription a pu sauter. Si des juristes passent par là et peuvent mieux étayer ce que je viens de dire, n'hésitez pas, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai compris. Petite parenthèse fermée. Le 18 décembre 2000, soit quelques jours après ses aveux, un premier squelette est découvert à quelques dizaines de mètres du premier endroit qu'il a indiqué aux enquêteurs. Les fouilles se poursuivent sur les rives, tout autour du Serein,
Et un second squelette est découvert le 4 janvier 2001. Là aussi, pas très loin de l'endroit qu'il avait indiqué. Au même endroit, on trouve également une valise remplie avec des vêtements féminins fournis par la DAS. Et concernant ce deuxième squelette, le médecin légiste découvre à l'intérieur de la mâchoire un slip enfoncé. Ce qui rappelle étrangement la façon dont a été découverte Sylvie Durand-Lesage en 1981. Bon, là, la France est sous le choc, hein, puisque en même temps qu'on découvre ces deux squelettes, on réalise en fait que toute cette affaire était très sérieuse depuis le départ et qu'on a très certainement affaire à un tueur en série. Faut pas oublier que durant les années 90, il y a eu de nombreux tueurs en série en France, tels que Patrice Allègre, Francis Holm, Sid Ahmed Rezala, Patrick Tissier, pour ne citer qu'eux. Du coup, là, on réalise qu'un autre tueur en série sévissait en France depuis les années 70, dans l'impunité la plus totale. Donc c'est un véritable choc. Et certaines questions commencent à brûler les lèvres, au-delà même des négligences de la part des enquêteurs et du parquet d'Auxerre, on se demande même s'il n'y a pas eu des complicités quelque part. La ministre de la Justice qui succède à Elisabeth Guigou, Marie-Lise Lebranchu, demande une inspection des services judiciaires afin de comprendre ce qu'il s'est passé et à qui incombe la faute. Le 12 janvier 2001, alors que l'inspection des services judiciaires est en cours, le directeur de toutes les APAGE de France demande la dissolution du comité de l'APAGE de Lyon. Nicole Charrier, qui entre-temps a grimpé les échelons du milieu associatif de Lyon, est suspendue de ses fonctions. Elle touche 1,5 million de francs d'indemnité à la suite de son licenciement. Son compagnon, Georges de Cuypère, est lui aussi radié. Et lors de cette inspection, on met en lumière les graves dysfonctionnements qu'il y a eu dans les établissements spécialisés de Lyon gérés par l'APAGE. Abus sexuels sur des personnes déficientes mentales, détournement d'argent, violences d'ordre physique et psychologique sur des handicapés mentaux, mais également sur des salariés des foyers gérés par Nicole Charrier. D'après les témoignages qui ont été recueillis, certains expliquent que cette femme, donc Nicole Charrier, elle avait pour habitude de montrer sa poitrine ainsi que ses parties intimes à ses pensionnaires handicapés mentaux afin de les éveiller. Elle leur racontait également des histoires grivoises, ses expériences personnelles, ses aventures avec les hommes pour pouvoir faire leur éducation. D'ailleurs, elle prescrivait même la pilule à ses pensionnaires dès l'âge de 14 ans. Le 16 janvier 2001, coup de théâtre, Émile Louis se rétracte officiellement et clame son innocence. Et quand on lui demande comment il est possible qu'il ait pu indiquer l'endroit où se trouvaient deux squelettes, s'il est vraiment innocent, eh bien il explique qu'en fait, un soir, dans les années 70, il a surpris une bande d'hommes en train de transporter quelque chose, peut-être un sac, à l'endroit qu'il a indiqué. Il dit, voilà, moi je les ai vus en train de transporter un sac qui semble assez volumineux et l'enterrer à cet endroit. Et du coup, ça m'est revenu pendant mon audition et je me suis dit que ça pouvait être utile de vous le dire. D'ailleurs, il ajoute que les deux squelettes qui ont été retrouvés sous ses indications sur les bords du Serein, il sait pas du tout qui ça peut bien être. Et à ce stade de l'enquête, on les a pas encore identifiés. Hein. Même si on pense fortement qu'il s'agit de deux des disparus de Lyon. Bon, ce retournement de situation n'a pas vraiment d'impact, hein, puisque là, on parle quand même d'une personne qui a avoué, et au-delà même des aveux, qui a indiqué où se trouvaient des squelettes. Il est donc incarcéré à Auxerre, en attendant la tenue de son procès. Le 1er mars 2001, la garde des Sceaux, Marie-Lise Lebranchu, donne une conférence de presse 2 mois après le début de l'inspection judiciaire, durant laquelle elle reconnaît indéniablement un fonctionnement défectueux de l'institution judiciaire dans l'affaire des disparus de Lyon. Et c'est dans ce rapport qu'on découvre que quelqu'un a délibérément menti concernant le rapport d'enquête de l'adjudant Jambert qu'il avait remis au parquet en 1984. Souvenez-vous, en 1984, l'adjudant Jambert remet son rapport d'enquête au substitut du procureur Stinilovic qui le remet ensuite au juge instructeur. De là, le rapport aurait été glissé par erreur dans le dossier sur le meurtre de Sylviane Durand-Lesage qui vient d'être classé sans suite. De fait, le rapport d'enquête de l'adjudant est classé sans suite. Or, lors de l'inspection judiciaire
demandée par la garde des Sceaux Marie-Lise Lebranchu, eh bien, on découvre que sur le rapport d'enquête, il est écrit « non » en grand et à la main, ce qui empêche toute investigation supplémentaire. Ce qui ne signifie qu'une seule chose, quelqu'un a noté « non » sur ce rapport d'enquête, empêchant ainsi d'investiguer sur les disparus de Lyon. À l'époque, seuls deux hommes auraient pu le faire. Le juge Bourguignon ou le procureur René Meilleur. Ni l'un ni l'autre n'admet avoir écrit non sur le rapport d'enquête. Une autre hypothèse a été avancée. En fait, ce serait qu'un greffier un peu zélé aurait noté non à la place du juge ou du procureur sans motif, sans intérêt particulier. Il aurait noté non comme ça. De son côté, Émile Louis est encore une fois auditionné, et cette fois, c'est une autre histoire. Il explique qu'à l'époque, il y avait un réseau de prostitution organisé impliquant des figures politiques et d'autres personnes assez fortunées, du même type que le réseau de Claude Dunan. Il dit oui, effectivement, ces jeunes filles alimentaient un réseau de prostitution, mais les clients sont des gens tellement importants que la vérité ne filtrera jamais. Et d'ailleurs, il met même clairement en cause Pierre Charrier comme ayant œuvré pour ce réseau de prostitution. Quelques semaines plus tard, soit le 13 avril 2001, les deux squelettes retrouvés à Rouvray sont identifiés. Il s'agit de Jacqueline Weiss et Madeleine Dejust. Entre-temps, une cellule d'enquête spéciale a été ouverte dans le Var, Louis 83. Le but, en fait, c'est d'enquêter sur toutes les affaires de disparition et de meurtre de jeunes femmes ayant eu lieu dans la région ces 20 voire 30 dernières années et qui pourraient lui être imputables. Il y a par exemple la mort très étrange de cette mère de famille de 25 ans, Ségolène Werner, en novembre 1986, dans le camping où résidait également Émile Louis. L'époux de Ségolène Werner rentre au milieu de la nuit en novembre 1986 et là, dans le lit conjugal, il découvre le corps de sa femme, elle est morte, il n'y a aucune trace de lutte, aucune trace de sang. À l'époque, l'autopsie avait conclu à un œdème pulmonaire aigu. Bien qu'Émile Louis ait été très proche de Ségolène Werner, c'est lui qui l'amenait faire ses courses, il passait beaucoup de temps avec elle en l'absence de son époux, mais en fait, on n'a aucun élément concret qui puisse le rattacher à cette mort, qui d'ailleurs est considérée en mort naturelle. La cellule d'enquête Louis 83 recueille tout un tas de dépositions de jeunes femmes affirmant avoir été victimes d'Émile Louis dans les années 80 et 90. Alors, il s'agit de voisines, pour la plupart d'entre elles, qui expliquent que la méthode d'Émile Louis pour les agresser, ça consistait à les droguer. En gros, il leur préparait un café ou un thé dans lequel il mettait un petit somnifère. Il le faisait boire à ses voisines ou à ses amis. Et une fois qu'elles étaient inconscientes, il les agressait sexuellement. Et parmi ces femmes victimes se trouve également la nouvelle épouse d'Émile Louis, Chantal Paradis. Chantal rencontre Émile Louis dans le Var en avril 1992, alors qu'elle est au bout du rouleau. C'est une femme qui est très dépressive, mais également handicapée et qui doit s'occuper toute seule de ses deux filles adolescentes. Du coup, quand elle rencontre Émile Louis, elle tombe très vite sous le charme de cet homme qui se montre extrêmement serviable avec elle et ses deux filles. Mais au fil des semaines, elle explique aux enquêteurs que leur relation a très vite évolué dans quelque chose d'assez glauque, à savoir qu'Émile lui fait subir des actes de torture et de barbarie assez curieuses, en somme. Elle explique que très régulièrement, son époux la drogue, donc il lui sert ce qu'il appelle une potion pour qu'elle se détende. C'est un café ou un thé dans lequel il a glissé un somnifère. Une fois qu'elle est inconsciente, il l'allonge sur la table de la cuisine et pratique sur elle des saignées. Il récupère le sang qu'il lui injecte ensuite dans ses parties génitales avant de lui infliger des viols de toute nature. Il a également agressé l'une de ses deux filles, âgée de 14 ans au moment des faits. En gros, un soir, Chantal était complètement sonnée après avoir bu la potion d'Émile Louis. Et la fille de Chantal se trouvait donc à leur domicile. Elle avait décidé avec sa sœur d'aller vivre chez leur père, mais elle venait quand même de temps à autre voir sa mère, donc elle restait une semaine, deux semaines pour les vacances. Et ce soir-là, alors qu'elle était dans le salon, Émile Louis l'a agressée sexuellement, à savoir qu'il l'a touchée.
Et ensuite, il lui a infligé un rapport bucco-génital. Il l'a ensuite menacé de la tuer et de tuer sa mère si elle parlait. Émile Louis est interrogé concernant ces accusations. Il nie tout en bloc, il dit qu'il ne voit absolument pas de quoi il est question. Il est renvoyé devant les assises pour viol et actes de torture et de barbarie. Du côté de l'inspection des services judiciaires, quatre magistrats en poste à l'époque à Auxerre sont auditionnés pour expliquer toutes ces négligences dans l'affaire des disparus de Lyon. René Meyer, procureur de la République d'Auxerre de 1979 à 1986. Jacques Casal, à ce même poste, entre 1992 et 1999. Daniel Stilinovic, substitut du procureur entre 1986 et 1989. Et Bertrand Dailly, substitut du procureur de 1990 à 1995. Et le 17 avril 2002, la sentence tombe. Marie-Lise Lebranchu ordonne finalement une sanction à l'égard du substitut Stilinovic et demande sa mise à la retraite d'office au motif qu'il serait celui qui aurait commis les négligences. Mais on lui reproche quoi exactement au substitut Stilinovic ? Eh bien d'avoir joint au dossier sur la mort de Sylviane Durand-Lesage le rapport d'enquête de l'adjudant Jambert alors qu'il aurait dû ouvrir une nouvelle information judiciaire. En gros, le substitut Stilinovic récupère le dossier d'enquête de l'adjudant Jambert dans lequel Émile Louis est clairement mentionné comme étant le principal suspect et le remet au juge en charge de l'affaire sur la mort de Sylviane Durand-Lesage. Dans ce même dossier, Émile Louis est également cité comme suspect potentiel. Le souci, c'est que le juge en charge de ce dossier vient juste de prononcer un non-lieu. Le substitut Stilinovic n'est pas au courant puisque le mois suivant, il quitte ses fonctions. Donc lui récupère ce dossier, il le remet au juge vu qu'il y a un lien entre ces deux affaires et il part. Une main mystérieuse écrit « non » sur le rapport d'enquête de l'adjudant Jambert, empêchant ainsi toute investigation supplémentaire. Ce même rapport est caché pendant plus de 10 ans dans un coffre-fort ou dans une salle dédiée aux affaires classées. Et cet enchaînement d'erreurs ou de négligences, ils ont considéré à l'époque que c'était dû au substitut Stilinovic. Bon, il fait appel de cette décision dans le Conseil d'État et il obtient un gain de cause, mais depuis, je crois qu'il s'est retiré de la magistrature. À présent, retour sur l'affaire Émile Louis. Donc l'instruction, elle est toujours en cours. Lui doit comparaître pour deux affaires, rappelez-vous. Viol et acte de torture et de barbarie sur son épouse et la fille de son épouse. Et l'affaire des disparus de Lyon. Les enquêteurs de Lyon décident de recouper toutes les affaires de disparition et de meurtre ayant eu lieu dans la région, puisque bon, voilà, là, ils sont sous le feu des projecteurs. Hein. La France a découvert ce scandale. Du coup, comme on est au début des années 2000 et avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les histoires de tueurs en série qui ont eu lieu durant les années 90, on se dit qu'il est peut-être de bon ton d'investiguer sérieusement cette fois-ci et de voir s'il n'y a pas d'autres disparitions de femmes ou de meurtres de femmes non élucidées jusque-là qui ne pourraient pas être rattachées à Émile Louis. Et certaines attirent l'intérêt des enquêteurs, mais surtout de la presse. Alors même qu'on a très peu d'informations sur ces affaires, quelques-unes d'entre elles, d'ailleurs, le dossier d'enquête a disparu du parquet d'Auxerre. Du coup, on a très peu d'informations sur ces jeunes femmes, sur les réelles conditions dans lesquelles elles ont été retrouvées quand il y a eu mort. On a par exemple la mort très mystérieuse de Lucette Evin, 21 ans, le 9 février 1970. Des enfants la retrouvent sur un terrain vague, elle présente plusieurs hématomes sur le corps, des griffures au niveau du visage, ses lunettes de vue ont disparu, on conclut à un suicide médicamenteux. Il y a également la disparition de Jeannine Parent, le 11 juillet 1976, la mort mystérieuse d'Elisabeth Fontaine, 28 ans, le 10 janvier 1979, on la retrouve noyée dans un barrage hydraulique, là encore on conclut au suicide. Le meurtre de Similja Stojanovic, le 25 mars 1984, dossier classé sans suite. La disparition d'Isabelle Laville, 17 ans, le 11 décembre 1987. La disparition de Martine Mangui, 16 ans, entre 1987 et 1988. La disparition de Marie-Angèle Domèche, 19 ans, le 8 juillet 1988. Le meurtre de Daniel Bertrand, 39 ans,
le 7 août 1989, et le viol et le meurtre de Johanna Parrish, 21 ans, le 17 mai 1990. Donc toutes ces affaires titillent un peu les journalistes, hein, puisqu'on n'a pas grand-chose dans le rapport d'enquête. Quand enquête il y a eu, comme je vous l'ai dit, pour certaines, les dossiers sont évaporés du parquet d'Auxerre, donc c'est très compliqué de bien recouper ces affaires. Et même si pour certaines d'entre elles, il n'y a pas de lien évident avec Émile Louis, et l'histoire nous le dira par la suite, puisque certaines personnes seront arrêtées ensuite pour les meurtres de certaines de ces jeunes femmes, ça permet de relancer les enquêtes et surtout ça permet de pointer du doigt l'inertie du parquet d'Auxerre dans toutes ces affaires. Le 2 octobre 2002, les enfants de Christian Jambert déposent une requête au tribunal pour qu'une enquête sur les causes de la mort de leur père soit ouverte. Du coup, on a d'un côté l'affaire Émile Louis et de l'autre l'affaire Christian Jambert qui se télescope. Le 22 octobre, une enquête est officiellement ouverte. Pour la famille Jambert, le gendarme ne s'est pas suicidé. Et ils mettent en avant un argument qui est pris très au sérieux par le parquet, puisque lors de la découverte du corps du gendarme, une photographie a été faite. Donc on le voit allongé avec le 22 long rifle qui gît le long de ses jambes. Et ils avancent l'argument que s'il s'était vraiment suicidé, donc, il aurait été debout vraisemblablement. En tombant, ni son corps ni l'arme n'auraient pu en fait atterrir au sol de cette façon. Ils disent en se suicidant en étant debout, il serait tombé. Bon, déjà son corps serait légèrement désarticulé, pas aussi droit puisqu'il est allongé de tout son long, et surtout l'arme n'aurait pas atterri sur ses jambes de cette façon-là, elle aurait atterri un petit peu à côté. Donc ça c'est l'argument principal qu'ils avancent. Et la justice leur donne raison d'une certaine façon, puisque même si à ce stade on ne sait pas s'il s'agit d'un suicide ou d'un meurtre, elle considère qu'il aurait été utile, nécessaire d'enquêter davantage à l'époque. C'est pourquoi le corps de l'adjudant Jambert est exhumé en mars 2004 et autopsié par Dominique Lecomte, directrice de l'Institut médico-légal de Paris et reconnue comme l'un des meilleurs médecins légistes de France. Elle remet son rapport le 31 mars et là, coup de théâtre. L'adjudant Jambert n'est pas mort d'une balle dans la tête, mais de deux balles. De m'être fait avoir sur toute la ligne. C'est clair, qu'on m'a menti, plein de choses m'ont été cachées, finalement. Plein de choses m'ont été cachées. Et puis, une envie de savoir pourquoi, comment. Mais une colère extrême, insoutenable. J'étais dans un état indéfinissable. J'ai déjà eu un premier état par le suicide. Alors après un deuxième état, je me dis c'est pas vrai, ça c'est pas... Vous voyez, sur le coup, on n'y croit pas. Dans son rapport complet, voilà ce qu'écrit Dominique Lecomte. Il y a deux balles, l'une tirée dans la cavité buccale au niveau du palais osseux gauche. Ce projectile a été retrouvé au niveau de la zone occipitale gauche cérébrale au terme d'une trajectoire de droite à gauche et de bas en haut. L'autre coup de feu a été tiré en région temporo-pariétale avec une trajectoire de gauche à droite, légèrement d'avant en arrière. Concernant cet impact de balle, il y a des traces noires à l'extérieur, mais également à l'intérieur, ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'un point d'entrée et non pas de sortie. Les deux balles étaient chacune d'entre elles mortelles, ce qui implique qu'il ne peut pas être responsable d'au moins l'un des deux tirs. Par ailleurs, elle a découvert une plaie sur le haut du crâne, qui n'est pas compatible avec la façon dont il a été retrouvé allongé au sol. Donc même en tombant de cette façon-là, il n'aurait pas pu se faire cette blessure, ce qui laisse supposer qu'il a reçu un coup à cet endroit. Quant au visage, Dominique Lecomte a pu consulter les photographies qui ont été prises lors de la découverte du gendarme, et sur la face du gendarme à sa gauche, elle y note des petites griffures à côté du nez. Tous ces éléments qu'elle relève et qu'elle note dans son rapport indiquent qu'il ne peut pas s'agir d'un suicide, mais d'un meurtre. La famille du gendarme Jambert porte donc plainte pour assassinat. Le juge ordonne une seconde autopsie, mais à Lyon cette fois-ci. Le 23 avril, l'Institut médico-légal de Lyon remet son rapport et il va l'opposer de celui de Dominique Lecomte. Selon eux,
les deux balles retrouvées à l'intérieur du crâne du gendarme sont en fait consécutives à un tir en rafale. Le gendarme s'est tiré deux balles, en fait, l'une à la suite de l'autre, dans la bouche. Donc pour eux, en fait, le trou au niveau de la tempe n'est pas un point d'entrée, mais un point de sortie. Ils disent que lorsque le gendarme s'est tiré ses deux balles, l'une d'entre elles a fait vraisemblablement des vagues à l'intérieur de sa tête, de sa bouche, de son crâne, et qu'elle est ressortie au niveau de la tempe sans avoir cassé aucun os de la mâchoire ou des dents, par exemple. Il conclut donc à un suicide possible. Bon, pour les enfants du gendarme Jambert, ce scénario, c'est un peu X-Files. Hein. Cette histoire de balle qui traverse comme ça tout le crâne, qui se balade à l'intérieur pour ressortir par la tempe sans casser de dents, sans ne rien endommager sur son passage, ça leur paraît un peu fort. D'autant que Dominique Lecomte, c'est elle qui a travaillé en premier sur le corps du gendarme. Personne n'avait manipulé la dépouille avant elle. Ce qui signifie que ses conclusions semblent plus réalistes, en tout cas pour eux. Et puis, pour appuyer la piste de l'assassinat, le fils du gendarme, Philippe, a communiqué aux enquêteurs que son père lui avait confié, peu de temps avant sa mort, qu'il se sentait suivi et menacé. Et il était même au courant que son père conservait secrètement une sacoche contenant des documents prouvant l'existence d'un réseau pédocriminel implanté en Bourgogne et qui aurait peut-être pu avoir un lien avec l'affaire des disparus Lyonne. Et Philippe ajoute que cette sacoche que son père gardait précieusement et qui prouvait l'existence de ce réseau s'est volatilisée à sa mort. Il y avait donc un gros dossier sur l'affaire des disparus de Lyonne et donc deux dossiers sur des réseaux pédophiles, un réseau donc qui se trouvait dans la Nièvre et un réseau qui se trouvait dans Lyonne. C'est mon père qui m'avait dit ça. Donc les réseaux de la Nièvre, le réseau pédophile qui était dans la Nièvre, communiquait avec le réseau pédophile de Lyonne. Donc. Comment avez-vous vu précisément que c'était deux dossiers de pédophilie? Parce que c'était marqué sur la chemise. Et donc, quelques temps avant son décès, donc, il m'a redemandé la sacoche. Je crois que ça doit être une quinzaine de jours avant ou trois semaines avant. Donc je lui ai redonné la sacoche. Quelque part, je pense que... Il nous protégeait, moi et ma sœur, donc bon, il était quand même assez secret. Mais je pense que quand il m'a parlé des réseaux pédophiles, c'était un petit peu pour me faire comprendre que les menaces, elles venaient de là, je pense. Afin de trancher une bonne fois pour toutes, le juge ordonne une troisième autopsie. Mais cette fois-ci, cette autopsie aura lieu avec un moulage fait à partir du crâne du gendarme, puisque durant les deux précédentes autopsies, le crâne a été fortement abîmé. Cette contre-expertise a lieu en janvier 2006, et là encore, les experts concluent un suicide possible. De fait, les restes du gendarme sont réenterrés. Mais ses enfants refusent d'en rester là. Ils refusent d'en rester là puisque, d'une part, ils considèrent que le rapport remis par Dominique Lecomte est le plus fiable, le plus solide. Donc il ne s'agit pas d'un suicide. Et puis, il y a ce rapport remis par un expert de la balistique qui explique que les balles qui ont tué le gendarme Jambert ne correspondent pas à 100% aux 22 longs rifles qui étaient retrouvés à ses pieds. C'est pourquoi, courant 2007, un nouveau juge est chargé de l'instruction et le 5 décembre 2007, il ordonne une nouvelle exhumation et une nouvelle autopsie à Bordeaux cette fois-ci. Et le problème, c'est que lors de l'arrivée du crâne à Bordeaux, le médecin légiste constate que la moitié a disparu, rendant ainsi toute expertise fiable et complète impossible. Bon là, la famille du gendarme Jambert est complètement scandalisée. Hein. D'une part, par la façon dont est traitée cette affaire, mais surtout par la façon dont est traitée la dépouille du gendarme. C'est pourquoi ils envoient un courrier au président de l'époque, Nicolas Sarkozy, qu'il le transmet à la garde des Sceaux, Rachida Dati, qu'il le transmet à son tour, un stagiaire, un communiqué de presse, bref, on ne sait pas trop, mais en tout cas, rien n'est mis en place pour comprendre ce qu'il a pu se passer avec la dépouille du gendarme Jambert. Et le verdict tombe en février 2011. Un non-lieu est rendu dans l'assassinat de Christian Jambert. Ce verdict est confirmé en appel en février 2012. Ainsi, la justice a tranché. L'adjudant Jambert s'est suicidé de deux balles dans la tête. À présent, revenons-en à Émile Louis. On est en 2004. Il est incarcéré en attendant la tenue de ses deux procès. Le premier procès d'Émile Louis s'ouvre en mars 2004 aux Assises du Var
pour actes de torture et de barbarie et viol sur son épouse Chantal Paradis et sa fille. Il a 70 ans. Son épouse Chantal Paradis et la fille de Chantal Paradis témoignent à huis clos afin de préserver leur identité. Et à la barre, une dizaine de femmes se présentent pour témoigner et expliquer qu'elles aussi ont été victimes d'Émile Louis par le passé, qu'elles ont été droguées, violées et torturées lorsqu'il vivait dans le Var. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Sa peine est alourdie à 30 ans en appel et son pourvoi en cassation est rejeté. Et le 3 novembre 2004 s'ouvre le procès tant attendu aux assises d'Auxerre. Celui pour enlèvement, séquestration et assassinat dans le cadre de l'affaire des disparus de Lyon. Durant son procès, Émile Louis continue de nier toute implication. Ses aveux, ils ont été extorqués. Les squelettes retrouvés sous ses indications, pur hasard. Et les meurtres et les disparitions de ces jeunes femmes qui faisaient partie de son entourage, eh bien, les Arabes. Ces Arabes qui enlevaient, tuaient des jeunes femmes sur son sillage afin de brouiller les pistes. Mais qui est Émile Louis au juste ? Émile Louis naît le 26 janvier 1934 à Auxerre. Sa mère le dépose aussitôt à la DAS, puisqu'elle n'a pas la possibilité de s'en occuper. La DAS le confie, alors qu'il a à peine 3 semaines, au Camier, une famille de Pontigny qui élève déjà d'autres enfants placés par l'assistance publique. Durant son enfance, Émile Louis est un garçon assez turbulent, très peu sociable, qui a du mal à se faire des copains. Et ça s'expliquerait par une scène assez traumatisante à laquelle il a assisté à l'âge de 10-11 ans. On est en 1944, la France vient tout juste d'être libérée de l'occupation allemande. Ses sœurs sont alors empoignées par les villageois, emmenées sur la place publique où elles sont tondues pour collaboration avec l'ennemi. En gros, à la libération de la France en 1944, les femmes qu'on soupçonnait d'avoir eu des relations sentimentales, amicales ou professionnelles avec des Allemands étaient ensuite traînées sur la place publique où elles étaient battues et tondues, voire exécutées. Émile Louis a expliqué à un journaliste que cette scène l'a profondément marqué pour 2 raisons. La première, c'est qu'il connaissait personnellement les personnes qui avaient traîné ses sœurs sur la place publique et qui les avaient tondues, c'était des voisins, voire des camarades d'école. Et la seconde raison, c'est que son père avait été décoré de la guerre. Donc son père était un vétéran. Du coup, ça l'a profondément marqué de savoir que ses sœurs, qui avaient pour père un vétéran, avaient été tondues à la libération. Et il ajoute que pour venger ses sœurs, quelques années plus tard, quand il est devenu adolescent, il a brûlé la grange de personnes qui avaient participé à cette scène qui l'avait marqué en 1944. À noter qu'Émile Louis n'a appris qu'il avait été adopté qu'à l'adolescence. Avant ça, pour lui, il était le fils de ses parents. Et le fait de savoir que sa mère avait pu l'abandonner l'a profondément choqué, au point qu'il n'a jamais cherché à la connaître. D'ailleurs, bien des années plus tard, quand l'une de ses filles lui demandera ce qu'il sait de sa mère, s'il a tenté par le passé de la retrouver, il lui répondra « Écoute, ça ne m'intéresse pas, cette salope m'a abandonné ». En 1951, Émile Louis est un jeune homme de 17 ans. Il a déjà eu quelques démêlés avec la gendarmerie de son village, puisque voilà, c'est, on va dire, un petit voyou, comme on dit, l'école ne l'intéresse pas, il a du mal à se faire des copains. C'est pourquoi il s'engage dans l'armée et part pour l'Indochine. Il y reste un peu plus de 2 ans. À son retour en France, dans son village en 1953, il fait la rencontre de Simone Delagneau, une jeune femme de son âge très timide et très pratiquante. Lorsqu'il explique à ses parents adoptifs qu'il souhaite épouser Simone, ces derniers refusent cette union pour des raisons inconnues. D'ailleurs, ils ne viendront pas à leur mariage le 23 octobre 1954. Le jeune couple déménage et s'installe à Rouvray, et dès le départ, les sévices commencent. Simone est régulièrement battue par son mari, qui lui impose également des actes sexuels assez dégradants. Mais la jeune femme obéit et ne se rebelle jamais pour 3 raisons. La première, c'est qu'on est dans les années 50. Dans les années 50, la violence conjugale, c'était pas considéré comme quelque chose de très choquant. Donc voilà, c'était quelque chose que certaines femmes vivaient, acceptaient, parce que soit elles n'avaient pas le choix, soit elles pensaient que c'était la norme. La deuxième raison, c'est que Simone, elle a grandi dans une famille violente. Sa mère la battait quotidiennement. Du coup, pour elle, cette vie de femme battue, c'est un peu la continuité de sa première vie. Et la troisième raison, c'est qu'Émile Louis lui a permis d'adopter et de ramener chez eux ses 2 petits frères à la suite de la séparation de sa mère et de son beau-père. La mère de Simone, quand elle s'est séparée de son mari, elle ne pouvait plus s'occuper de ses enfants, vraisemblablement. Et pour éviter qu'ils finissent à la DAS, Simone les a adoptés. Elle les a ramenés chez elle et Émile l'a aidé à élever ses 2 petits frères.
Du coup, ces trois facteurs-là ont fait que durant des années, elle a accepté sa violence et également sa perversion sexuelle, comme le fait d'être attachée à un arbre toute nue la nuit par son mari, ou le fait qu'il la drogue et qu'il lui fasse subir des actes de torture et de barbarie. Les 10 années qui suivent, la famille Louis s'agrandit avec l'arrivée des 4 enfants du couple, 2 filles, 2 garçons. Et dès le départ, eux-mêmes subissent la violence psychologique et physique de leur père. Et l'aînée des enfants, Marilyn, sera dès son plus jeune âge violée par son père. Cette attirance pour les enfants qu'avait Émile Louis était déjà présente à cette époque, puisque, par exemple, en 1963, il avait enlevé et tenté de violer une fillette de 13 ans près de chez lui. Les parents de la fillette avaient porté plainte, puis ils l'avaient retirée, sans doute par crainte du scandale. Du coup, la famille Louis déménage peu après à Saint-Florentin, puis s'installe à Villefargo, dans un château, en tant que gardien de la demeure. Dès 1969, ils obtiennent l'agrément de la DAS pour devenir famille d'accueil, puisqu'ils vivent dans le château de Villefargo, donc c'est très spacieux. Et certains de ces enfants de l'assistance publique sont abusés par Émile Louis. Sur le plan professionnel, il exerce plusieurs métiers, fossoyeur, poissonnier, cheminot, avant d'être embauché par les Rapides de Bourgogne en 1971 comme chauffeur de car. C'est vraisemblablement à ce moment qu'il fait la connaissance de ses futures victimes. En 1973, il rencontre Françoise Lemoine, avec qui il entretient une relation extra-conjugale. Il l'installe dans une chambre d'hôtel à proximité de son travail. C'est également là que Bernadette Lemoine viendra s'installer avec sa sœur, avant qu'elles ne disparaissent mystérieusement toutes les deux. Émile Louis a eu de nombreuses liaisons durant son mariage avec Simone Delagneau. D'ailleurs, certaines de ses maîtresses s'installaient même chez eux. Ils vivaient en concubinage tous ensemble. Et Simone n'a jamais réagi à ces différents affronts. Elle était apparemment très soumise à son époux, mais également très effrayée par ce qu'il était capable de lui faire si elle se rebellait. En 1977, Émile Louis est de nouveau impliqué dans une affaire de mœurs. Une adolescente de 14 ans l'accuse de l'avoir enlevée et enfermée dans un cabanon à Rouvray. La jeune fille s'est réveillée à un moment donné, mais en fait, elle ne savait pas précisément ce qui lui était arrivé, comme si elle avait été droguée. Quand elle en a parlé à ses parents, ils ont porté plainte contre Émile Louis, puis ont retiré leur plainte après avoir reçu de l'argent de Simone, l'épouse d'Émile Louis. Cette même année, Émile Louis drogue sa propre fille Marilyn, âgée de 21 ans. Il l'emmène dans une forêt et la viole toute la nuit. Il l'avait déjà violée quand elle était enfant, mais ensuite il avait arrêté quand elle était entrée dans la puberté. Là, sa fille vivait à l'étranger avec son époux, et c'est lors d'un séjour chez ses parents, elle était partie leur rendre visite, qu'il en a profité pour abuser d'elle. Marilyn n'en a jamais parlé à l'époque, elle n'a jamais porté plainte, puisque déjà d'une part, elle pensait qu'on ne la croirait pas, et d'autre part, elle avait très peur qu'on la culpabilise. À la suite de ça, elle avait fait une tentative de suicide. L'année suivante, soit en 1978, il quitte officiellement son épouse Simone et s'installe avec sa maîtresse de longue date, Gilberte Lemenorel, une femme mariée de 5 enfants qu'il a rencontrée quelques années plus tôt dans le cadre de ses fonctions. Gilberte Lemenorel était accompagnatrice pour la DAS et ensuite elle avait obtenu l'agrément pour devenir famille d'accueil. Cette femme a été décrite comme très autoritaire, très teigneuse, avec un goût assez prononcé pour l'alcool. Lorsqu'Émile Louis quitte son épouse pour elle, tous deux déménagent et s'installent à Seignelay. En 1980, il devient conseiller municipal à Seignelay. Du coup, là, il jouit d'une très bonne réputation. On parle de lui comme d'un homme courtois, comme d'un homme très serviable, qui n'hésite pas à se plier en deux pour pouvoir aider son prochain, mais plus particulièrement sa prochaine, puisqu'il continue à entretenir des relations extra-conjugales avec d'autres femmes, dont des femmes mariées et des mineurs. D'ailleurs, en 1981, quand il est arrêté dans le cadre de l'affaire sur le meurtre de Sylviane Durand-Lesage, c'est un peu le choc à Seignelay. On le savait un peu coureur de jupons, mais meurtrier, non, puisqu'on le voit comme un homme assez serviable, un bonhomme. Et lorsqu'il avoue son attirance pour les enfants et les abus qu'il leur a fait subir, là, c'est encore plus le choc à Seignelay, puisqu'on ne se doutait absolument pas que ce conseiller municipal pouvait abuser sexuellement d'enfants. Après son interpellation, sa compagne Gilberte Lemenorel le quitte. Lui est condamné en 1983 à 4 ans de prison pour attentat à la pudeur. Grâce au jeu de remise de peine, il est libéré en février 1984. Il a interdit de séjour dans Lyon, du coup il déménage dans le Var
et s'installe chez la sœur de son ex-épouse Simone Delagneau. Elle finit par le mettre à la porte peu de temps après, puisqu'il tente de la séduire et d'avoir des relations charnelles avec elle. Il s'installe dans un camping-car et là, il va vivre de petits boulots comme chauffeur de car. Bon, il finit par être renvoyé de son travail après que des enfants se soient plaints de son comportement. Il va se faire quelques amis, quelques connaissances dans son camping et il retourne derrière les barreaux en novembre 1989 pour les agressions sexuelles commises sur les enfants de son voisin. Il prend 5 ans, mais il ressort en 1992. Il retourne dans le Var et c'est là qu'il fait la connaissance de sa seconde épouse, Chantal Paradis. Comme expliqué précédemment, Chantal Paradis, c'est une femme qui est dépressive, qui est handicapée mentale. Elle a 2 enfants, mais elle ne les voit que durant les vacances scolaires. Du coup, quand elle tombe sur Émile Louis, ben, pour elle, c'est une bouffée d'oxygène. C'est un homme qui se montre très serviable avec elle, qui est aux petits soins. Et en fait, ce type de profil, c'est la proie préférée d'Émile Louis, puisque c'est une femme qui est malléable, qui n'est pas méfiante et qui est totalement à sa merci, comme le fut sa première épouse Simone. Et en apparence, ce couple est très bien vu hein, dans le quartier. On a Émile Louis qui est affable, qui est très apprécié des enfants. Il a un peu l'image d'un papy gâteau. Ils sont tout le temps ensemble. Il donne vraiment l'impression d'être un homme qui prend soin de son épouse, alors que la réalité est tout autre, puisqu'en silence, Chantal Paradis subit des sévices et des actes de torture et de barbarie extrêmes de la part de son époux. Les années qui suivent, Émile Louis, alors retraité, mène une vie tranquille avec son épouse Chantal Paradis, jusqu'à ce 12 décembre 2000, où il est interpellé pour enlèvement et séquestration. Le 25 novembre 2004, le verdict tombe. Émile Louis est reconnu coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans. La même année, la justice prononce un non-lieu pour la plainte déposée par Ladi en septembre 2000, concernant ces femmes handicapées mentales stérilisées contre leur volonté dans les années 90 par le Centre d'aide au travail de Sens. La raison de ce non-lieu est que l'ablation de leur trompe avait été motivée par des raisons thérapeutiques. Sur la question du consentement, il est considéré qu'une opération de stérilisation sur une personne hors d'état de donner son consentement pouvait être autorisée à condition qu'elle n'exprime pas de refus. Cette décision est confirmée en appel en mars 2007, au motif que, eu égard à une impossibilité avérée de mettre en œuvre efficacement les méthodes de contraception, que les stérilisations tubaires pratiquées dans un but contraceptif paraissent fondées d'un point de vue médical. Le pourvoi en cassation est rejeté en juin 2008. En gros, ça signifie qu'à l'époque, le CAT, donc le Centre d'aide au travail, ainsi que les médecins de l'hôpital d'Auxerre qui ont stérilisé ces jeunes femmes contre leur volonté, n'ont pas commis de faute professionnelle, puisque d'une part, on considère qu'elles ne pouvaient pas donner leur consentement, puisque d'après eux, une personne handicapée mentale, qu'elle le soit légèrement ou gravement, ne peut pas donner son consentement. Et secondement, bah, ils ont considéré que la pilule ne pouvait pas leur être administrée de façon, on va dire, convenable, donc il valait mieux les stériliser. Devant cette décision, qui a quand même été appuyée 3 fois, il y a eu un non-lieu, non-lieu qui a été confirmé en appel et pourvoi en cassation rejeté. Et ben, 5 des femmes impliquées dans cette plainte décident de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme le 31 janvier 2012. Le 23 octobre de la même année, la CEDH déclare que la requête est irrecevable. Donc en gros, ça signifie qu'il n'y a plus aucun recours pour ces jeunes femmes qui ont été stérilisées et mutilées contre leur volonté dans les années 90. Le 20 octobre 2013, Émile Louis, alors hospitalisé pour un cancer, décède à l'âge de 79 ans sans n'avoir jamais manifesté aucun sentiment de culpabilité ou n'avoir jamais aidé à retrouver les autres dépouilles des disparus de Lyon. La mort d'Émile Louis. Oui, le tueur en série est décédé ce soir à Nancy. Émile Louis, l'assassin dans l'affaire des disparus de Lyon, cette affaire où il avait tué 7 enfants handicapés de la DAS dans les années 70. Il avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, hospitalisé depuis une semaine. L'homme avait 79 ans. Une réaction à ce décès, celle du président de l'association des victimes d'Émile Louis, Pierre Ménoir. Il regrette ce soir qu'Émile Louis soit parti avec de nombreux secrets. Écoutez. Écoutez, ça me laisse complètement indifférent, sauf que c'est dommage qu'il n'ait pas vécu assez longtemps pour réfléchir et nous dire où étaient les autres corps.
Ça, c'est vraiment dommage pour les familles de victimes. Et puis, ma première pensée vient aux victimes qui ont tellement souffert lorsqu'elles ont été tuées par Émile Louis que je pense que lui, il n'a pas souffert autant. Donc, ça me laisse complètement indifférent. C'est vrai que c'est la fin d'une histoire. Mais voilà, quoi. Les familles, ça va encore les perturber parce qu'ils avaient toujours l'espoir qu'un jour, ils parlent pour dire où étaient les autres corps qu'on n'a pas retrouvés, quoi. Quant à Sylviane Durand-Lesage, il a continué de nier son implication. Ce crime reste donc non élucidé et impuni à ce jour. Et le 20 octobre 2018, un square en hommage à l'adjudant Christian Jambert a été inauguré à Auxerre. Concernant le trio des Bermudes, en lien avec le triangle des Bermudes, Nicole Charrier a aujourd'hui 73 ans, donc je n'ai rien trouvé la concernant. Est-elle vivante? Est-elle morte? Bon, d'après les calculs, elle est censée avoir 73 ans aujourd'hui. Pierre Charrier, son ex-époux, a lui 93 ans. Là encore, je n'ai pas trouvé s'il était vivant ou mort. Georges de Cuypers serait mort le 8 juin 2010, s'il s'agit bien du bon Georges de Cuypers. Maintenant, concernant les différents magistrats impliqués à l'époque. Jacques Bourguignon est aujourd'hui retraité, après une carrière florissante dans la magistrature. René Meilleur est aujourd'hui lui aussi retraité de la magistrature. Daniel Stilinovic s'est retiré de la magistrature en 2006 et il s'est lancé dans l'écriture. Quant à Jacques Casal, il est aujourd'hui avocat général honoraire à Paris dans un cabinet privé et vraisemblablement familial. La question que l'on peut se poser aujourd'hui au vu de tous ces éléments est: l'affaire des disparus de Lyon a-t-elle réellement révélé tous ses secrets? Du coup, pour cette partie, en fait, je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail de mon opinion afin de pouvoir laisser des portes ouvertes à tous vos avis, à tout ce que vous en avez pensé au vu de ce que je vous ai livré avec le plus de justesse possible, je l'espère. S'il y a des erreurs, ma foi, j'en suis navrée, j'ai dû me baser sur, je crois, une quinzaine de supports, vidéos et des livres également. Donc, j'espère ne pas avoir fait d'erreur, j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, moi, sachez un truc, c'est que j'ai jamais été aussi passionnée par une affaire que celle-ci. Pourtant, je pensais pas rentrer dedans à ce point-là, mais à partir du moment où j'ai commencé mon travail de recherche et mes lectures, j'étais estomaquée tellement je trouvais cette affaire passionnante. Je dirais simplement, sans rentrer dans le détail, qu'à mon avis, cette affaire ne nous a pas révélé tous ses secrets, qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont troublée, je vais dire ça comme ça, qui m'ont énormément troublée, qui m'ont fait rager aussi. Il y avait certaines fois où j'étais très très en colère, mais voilà, c'est comme ça, ainsi va la vie. Est-ce que je le pense coupable de ce qui lui a été reproché? Oui, je pense qu'il était impliqué, mais Louis, je veux dire, à un moment donné... parce que l'autre fois, je voyais une vidéo sur ses avocats qui le défendaient mordicus, qui disaient non, mais moi, je pense qu'en fait, il s'est retrouvé au milieu de tout ça, mais contre son gré, il a été piégé. Et moi, j'étais là, je me disais, mais maman, mais comment ça, il a été piégé? Le gars, il indique où se trouvent des squelettes, et là, ils arrivent quand même à dire qu'il a été piégé. J'ai trouvé ça complètement fou. Après, bon, ok, c'est ses avocats, donc ils seront là pour le défendre. Mais je pense que parfois, le travail d'un avocat, c'est pas tant de défendre coûte que coûte son client, malgré toutes les preuves. C'est peut-être aussi parfois de le conseiller au mieux, afin de faire en sorte qu'une affaire se termine proprement. Donc là, j'ai trouvé ça bizarre, en fait. De le défendre, mais c'est pas le seul, hein. Vous savez, il y a eu tout un tas d'affaires, que ce soit des affaires de mœurs politiques ou de crimes, etc., où il y avait des preuves, le gars, il était noyé sous les preuves, je veux dire, il était couvert de la tête aux pieds de preuves, et les avocats étaient encore là à dire, non, mais il a été piégé. Dac, il a été piégé, qu'à cela ne tienne. Mais bon, parenthèse fermée, franchement, cette affaire, elle était trop, trop intéressante. J'ai été hyper heureuse d'aller jusqu'au bout, parce que je vous cache pas qu'elle était très prenante. Il fallait m'organiser entre le travail, mes activités personnelles et ça. Et j'ai jamais été autant à fond dans une affaire que dans celle-ci. J'ai dû regarder une quinzaine de reportages. J'étais à fond. Les livres, je vous en parle même pas. D'ailleurs, j'aimerais bien vous les présenter avant de clôturer la vidéo. Alors, le premier que je vais vous présenter, c'est celui-ci.
Voilà. Donc c'est la fille d'Émile Louis qui l'a écrit et je l'ai trouvé très intéressant. Il est très facile à lire, objectivement, il est très très facile à lire. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la façon dont elle parle de son enfance, la façon dont elle amène les choses. Je l'ai trouvé bien. Il m'a servi de base hein, quand même pour mes vidéos, surtout pour la dernière. Il y a également celui-ci. Ça a été une super belle surprise parce qu'objectivement, je pensais pas qu'il me plairait autant. Je pensais simplement qu'en fait, voilà, il y avait le côté « On surfe sur la vague », Jacques Pradel, l'émission perdue de vue. Et en fait, il est super bien écrit. Il se lit très simplement, très facilement. Et c'est très clair. C'est très clair, c'est propre. J'ai bien aimé, c'est très très propre. Et enfin, celui-ci, qui est la référence pour moi concernant cette affaire. Bon, après, il a été écrit par Corinne Hermann, avec Philippe Jeanne, mais voilà, Corinne Hermann, je la présente plus, hein, je pense que tout le monde la connaît. Ça a été... Alors, celui-ci, il est moins facile à lire que les deux autres. Si vous n'avez pas trop l'expérience de la lecture, ça peut être compliqué. Donc, posez-vous, soyez vraiment concentrés si vous le lisez. Mais il est hyper intéressant. J'adore. Franchement, j'ai adoré. Pour moi, c'est... Enfin, vous voyez, toutes les notes que je me suis mises et tout. Non, vraiment, celui-là, je l'ai vraiment surkiffé. En fait, je les ai tous aimés, honnêtement. Je les ai tous aimés. Mais lui, il m'a servi d'autant plus de base parce qu'il est blindé de détails. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dedans, c'est Corinne Hermann, en fait, elle n'y va pas par quatre chemins. Elle n'a pas peur. Si elle doit pointer des gens du doigt et dire qu'il y a un truc chelou, faut arrêter de nous prendre pour des teubés, ben, en fait, elle le dit clairement. Et rien que pour ça, elle mérite notre respect. Parce que, ben... C'est courageux. Donc voilà. Du reste, que vous dire? Bah, écoutez, hormis l'affaire des disparus de Lyon, hormis l'affaire Claude Dunant, bon, vous voyez, c'est plein d'affaires qui sont imbriquées les unes dans les autres, l'affaire Zandvoort, etc. Moi, ce que j'en retiens quand même et qui m'a fait vraiment très mal au cœur, c'est cette affaire des stérilisés de sens, donc les handicapés mentaux qui ont été stérilisés contre leur volonté. Aucune cour n'a jugé qu'on leur avait fait du tort, alors que clairement, on a stérilisé les femmes, on leur a ligaturé les trompes, voire... je crois que certaines, on leur a carrément arraché les trompes. J'ai trouvé ça complètement fou que la Cour européenne des droits de l'homme considère que leur requête était irrecevable. Franchement, ça m'a fait mal au cœur. Bon, je... C'est comme ça. C'est la vie, malheureusement... Je sais même pas quoi dire, en fait, tellement ça m'a choqué. J'en avais parlé à une amie qui était complètement estomaquée. Limite, elle était là en mode, mais non, c'est pas vrai, ça peut pas exister. Pourtant, si, ça a bien existé. Et bon, le mot de la fin, je le dédie à deux personnes qui, pour moi, sont les plus importantes de cette affaire. Le premier, c'est Pierre Monnoir, sans qui toute cette affaire n'aurait pas redémarré. C'est un mec qui a pas lâché l'affaire. Et je le trouve honorable. Et le second, et je pense que vous aurez compris de qui je parle, c'est l'adjudant Jambert. C'est un homme que je trouve admirable, qui m'a toujours inspiré quelque chose de... Je sais pas, qui m'a toujours inspiré de la confiance. Son visage, rien que son visage, en fait, ça se voit que c'était un homme bon. J'espère que sa famille, que ses enfants plus particulièrement, sont parvenus à trouver la paix intérieure par rapport à ce qui lui est arrivé. Je ne pourrais pas donner mon opinion sur le rendu de la justice puisque je n'ai pas le droit de contester une décision de justice. Je dirais simplement que parfois la vérité est ailleurs. Enfin bref, ce que je vous propose, c'est vous de me mettre vos avis en dessous de la vidéo, dans la barre des commentaires. Je vous avoue que j'ai du mal à la finir cette vidéo parce que c'est l'affaire la plus intéressante que j'ai eu à traiter. Je suis un peu triste que ce soit fini. J'aurais aimé qu'elle continue encore et encore, tellement elle était trop intéressante. Et je voulais aussi vous dire merci pour vos messages d'encouragement, ceux que vous m'avez laissés sous mes vidéos au fur et à mesure que la saga avançait. C'est ce qui m'a fait, je vous mens pas, continuer. Hein. Et j'étais là, je me disais, ah, c'est vrai que c'est un peu long, peut-être que ça va les ennuyer, peut-être qu'ils vont lâcher en cours de route. Je me dis, bon, si certains ont lâché en cours de route, c'est pas bien grave, tant pis, de toute façon, il y aura d'autres contenus qui pourront peut-être vous intéresser sur ma chaîne. Pour ceux qui se sont accrochés, j'espère vraiment que cette saga vous aura plu comme elle m'a plu à moi. Et puis, ma foi, je pense que je vais en rester là parce que sinon la vidéo ne va jamais s'arrêter. Et comme pour
toute chose, ben voilà, il faut mettre un point final. Bref, du coup, ce que je vous invite à faire, c'est que si cette saga vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous mes vidéos. Mais surtout, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. Isabelle Jambert est la fille de l'adjudant-chef Christian Jambert. Son père est le gendarme qui a permis de résoudre l'affaire des disparus de Lyon et de confondre le tueur en série Émile Louis. Qu'un square à Auxerre porte ce nom la touche au plus profond d'elle-même. Pour moi, c'est une reconnaissance extrême. C'est un honneur à sa mémoire. C'est pour sa mémoire. Et ce nom restera. Et c'est effectivement par rapport au travail qu'il a effectué, par rapport à cette affaire, qui pour lui était importante, une affaire importante. Et c'était une sorte d'aboutissement, si je puis dire. L'enquête et le travail du gendarme Jambert ont été ignorés pendant des années par la justice et la police. Sans lui, l'affaire des disparus de Lyon n'aurait pourtant jamais éclaté et le coupable, Émile Louis, jamais inquiété. Pour Pierre Monnoir, ce square réhabilite enfin la mémoire de Christian Jambert. Mieux vaut tard que jamais, et puis il faut aussi que l'avenir soit un peu plus ouvert, et puis que ça serve un petit peu de morale un petit peu à tous ces gens qui nous ont dit que nous avions sali le département. Jambert, c'est pas quelqu'un qui a sali le département, c'est quelqu'un qui a défendu les plus faibles. Il aura fallu plus de 20 ans après la mort du gendarme Christian Jambert pour qu'un hommage officiel lui soit rendu. Mais pour la gendarmerie, l'essentiel est de saluer la mémoire et le travail de l'un des siens. Une réhabilitation, ça serait un mot trop fort, puisque maintenant les faits sont avérés, Émile Louis est décédé, la plupart des personnes témoins de l'époque ont quitté le service actif. C'est peut-être le temps justement de la reconnaissance historique, en dehors de toute polémique. Voilà. Et c'est peut-être là l'important. La plaque dédiée au gendarme Christian Jambert se trouve juste à côté de la stèle qui rend hommage aux 7 disparus de Lyon. Désormais, tous sont réunis en un seul et même endroit à Auxerre.